ألف توف. Alors aujourd'hui, on a salut avec nous. Jonathan, ça va? Amos, tout va bien? Baruch Hashem. Des nouvelles un petit peu sur le confinement? Non, pas trop la vérité. Pas trop. Ils ont dit qu'ils vont reconfiner, mais quand, combien, je sais pas. Je sais pas, je suis pas trop les informations. J'ai entendu que le Premier ministre avait dit que rien n'était exclu. Allez, on y va. Daf même tête à Moutini en bas de la page pour s'arrêter à la Gemara. Aujourd'hui, on va faire Daf Noun, Bayez Attaché. Allez, on commence. Dans la Mishnah, on a vu que quelqu'un qui était sur la route et il connaissait un arbre et il a dit Shvitati Tartao. Lui, il est à 4000 amot de sa maison, on va dire. Et il sait qu'à 2000 amot, il y a un arbre. Et il a dit, pour pouvoir rentrer chez lui, il a dit, ma Shvita, elle est sous l'arbre. Il a 2000 amot de là où il est jusqu'à l'arbre. Il aura 2000 amot de l'arbre jusqu'à chez lui. Alors le Tana nous a dit, lo amar klum. Il n'a rien dit du tout. Et c'est sur ça que la Gemara, maintenant, elle va discuter. Lo amar klum. On y va. Gemara, mai lo amar klum. Autrement dit, on va expliquer c'est quoi la kavana du Tana. C'est la raison. Mai lo amar klum. C'est quoi? Il n'a rien dit du tout. La première, Mahlon Katana Pishmoué. Amar rav lo amar klum kolita. Rav dit lo amar klum, ça veut dire, c'est comme si qu'il n'a rien dit du tout. Lo amar klum kolita. Non, c'est pas comme s'il n'a rien dit du tout. Lo amar klum kolita. De afilu le tartav shilila lo masi azil. Ça veut dire que le bonhomme ne peut pas bouger de sa place. Pas uniquement, je vais aller jusqu'à l'arbre et pas plus. Pas du tout. Même jusqu'à l'arbre, tu ne vas pas. Tu as zéro jvita, mon ami. Tu restes dans tes quatre amotes. S'il n'avait rien dit, à la limite, il aurait sa jvita ici. Il aurait eu 2000 amotes jusqu'à l'arbre. Eh bien, celui-là, il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu que sa jvita ici. La preuve, il voulait que sa jvita soit sous l'arbre. Donc, il a enlevé sa jvita d'ici. De l'autre côté, la jvita sous l'arbre n'est pas une jvita parce qu'elle n'est pas messouillée, mais elle n'est pas définie. Sous l'arbre, imaginez, vous avez un arbre de 30 amotes comme ça, 15 amotes de chaque côté, il s'étend. Ouais, on ne sait pas, ils sont où les quatre amotes où il veut faire sa jvita. C'est la raison pour laquelle ni ici il a une jvita, ni là-bas sous l'arbre il a une jvita. Voilà l'opinion de Rav. Shmuel Amar, לא אמר כלום לביתו, אבל לתחתיו של אילן מעשי אזיל. וואו. שמואל ג'י, כמו כל שלא אמר כלום, לא אמר כלום לביתו, אז אני אפשר פעם אם יש את קשה לי. כמו שאתה פריבי גם סופר. נכון. אבל לתחתיו של אילן מעשי אזיל. מסולר ביפרי. On a assez tartav chez l'Ilan, Hamar Gemal. En dessous de l'arbre, il a un djinn de Hamar Gemal. Balim Dod, Minasafon, Modedin Lomina Darom. Balim Dod, Minadarom, Modedin Lomina Safon. En dessous de l'arbre, il a. Et donc, on a assez tartav chez l'Ilan, Hamar Gemal. Sous l'arbre, il a un djinn de Hamar Gemal. On va expliquer comment. Balim Dod, Minasafon. Du nord. Nous, on le mesure à partir du sud. Et s'il veut mesurer à partir du sud, Modelino Minasafon mesurera à partir du nord. Explication, après, on verra une photo que Jonathan va nous préparer. Jonathan, tu es là? Je suis là, mais j'utilise mon téléphone pour faire le zoom. Ah, tu n'as pas un autre téléphone, ça veut dire. D'accord. Ah, attends, peut-être je vais trouver. Ah, mais pour moi, ce n'est pas urgent. Déjà, je peux peut-être expliquer.
me débrouiller tout seul. Enfin, déjà avec la parole, me débrouiller, on va essayer. Regardez, on a un arbre. Cet arbre-là, ça, c'est les branches de l'arbre. Vous voyez, ma main, c'est les branches de l'arbre. Le milieu de l'arbre, le tronc de l'arbre est là, au milieu. Donc, ouais, c'est bon. Maintenant, l'arbre Oui. de chez moi. Oui, Amos, qu'est-ce que tu as? Quelle page c'est Manu sur le Sur la DAF 95. 95, ok. 95. En fait, c'est 84, plutôt 94, pas 95. Bon, déjà, je vais expliquer. D'accord? Ce sera mieux. Après, vous comprendrez mieux la photo. Vous avez un arbre. Oui, de là où je suis jusqu'au tronc de l'arbre, il y a 2000 amotes. D'accord? Maintenant, non, pas jusqu'au tronc de l'arbre, mais là. Jusqu'à l'extrémité de l'arbre, il y a 2000 amotes. D'accord? On a 2000 amotes. D'accord? Ça, c'est les branches de l'arbre. De là où je suis jusqu'à l'extrémité de l'arbre qui est du côté de ma maison, il y a 2000 amotes. D'accord? Maintenant, bon, on va dire qu'il y a 15 amotes de chaque côté du tronc. 15 amotes de chaque côté du tronc. Alors, ce qui va se passer, c'est que Quelle photo, Manu? Quelle photo? La photo 33? 36. Attends-moi. La photo 36, c'est bon? Attends, je vais tourner la caméra parce que je suis pas chez moi. 2 secondes, je sais pas comment ça marche. En français, c'est out latine. Voilà, bon, comment tu l'as fait celui-là? Voilà, celle-là. On voit moins bien que ah, tu es ta fille sur l'ordinateur, j'ai compris. Ouais. Voilà, Oh là c'est là. bien là. Parle, C'est bon. peut-être, Mais ordinateur. Amos, tu me vois, tu vois ma photo ou pas? Oui, je vois l'arbre, pas ta photo. Il y a là, voilà. Il y a l'arbre. Le bonhomme, jusqu'à l'extrémité de l'arbre, il y a 2000 amotes, remarquez. D'accord? Voilà. Maintenant, de l'autre extrémité de Voilà. l'arbre, l'extrémité qui est proche de lui, ouais, Il y a moins de 2000 amotes. il y a moins de 2000 amotes. Tu enlèves les 30 amotes. 30 amotes, c'est pour marcher derrière. S'il veut reculer, il peut reculer encore 30 amotes. Ouais. Et après, bon, après, regardez la photo de l'autre côté. Très bien. Maintenant, je reprends le choix qui dit. Lui, voilà. Oui. Ça veut dire je ne peux pas arriver chez lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est quoi le point ici? Alors, regardez Rachi ou Shmuel Amar. Non, enfin, d'abord dans le ciel, on explique le tachem. Alors, Rachi, ici, m'a donné deux pirouchis. D'accord? Il m'a donné un premier pirouche. On va le faire. On va commencer par lui. Et après, Rachi va proposer un deuxième pirouche qu'il a entendu. Ouais. Et sur ce pirouche-là, le deuxième pirouche, Rachid va poser plusieurs questions. Ici, dans le Hamoud, ce Hamoud-là, il va poser trois questions. Et à la fin de la Sougiya, les dernières paroles de la Sougiya, il va poser une dernière question sur ce pirouche-là. D'accord? Donc, Daf Noun Hamoud Cheni, en bas de la page, Rachid posera une quatrième question sur ce délire-là. Donc, pour le moment, on va expliquer comme le pirouche que Rachid accepte. Regardez Rachid. C'est quoi le cas ici? De là où il est lui, jusqu'à l'extrémité de l'autre côté de l'arbre, d'accord? C'est-à-dire l'arbre, il s'étend. L'extrémité qui est du côté de la maison, il y a 2000 amotes. Maintenant, du tronc, je dis bien, jusqu'à la maison, il y a 2000 amotes. D'accord? Ça Une veut fois dire. tu calcules l'extrémité de l'arbre et une fois le tronc, c'est quoi Voilà, le Rachid comment dit tu pourquoi? Rachid dit, j'ai besoin d'extrémité, ça c'est sûr. Ça confirme que va être mon climat plus tard dans Dafnoun. D'accord, Dafnoun. Maintenant, mes 2000 amotes, ils sont à partir donc de là où je suis jusqu'à l'arbre. Vous voyez, l'arbre est là. Moi, je suis là. C'est clair? Alors, de là jusqu'à là, vous voyez là, ça c'est l'arbre. Ma main, c'est l'arbre. D'accord? Bon, je ne sais pas si on peut bien faire comme ça.
Non, mais ce n'est pas le tronc de l'arbre, non? Je ne parle pas du tronc. Là, on parle uniquement des branches de l'arbre, le nord. D'accord. Nord qui est opposé à là où il est lui, c'est-à-dire qui est du côté de sa maison. Eh bien, de là où il est jusqu'au nord là-bas, il y a 2000 amas. C'est bon. D'accord? Donc, dis Shmuel, c'est quoi ton problème? Tu ne sais pas, ils sont les quatre amas en dessous de l'arbre? Eh bien, soit Mahmir. Soit Mahmir. Alors, comment on va faire? C'est possible que les quatre amas se trouvent dans n'importe quel endroit en dessous de l'arbre. Au-dessus de l'arbre. Alors, lui, il a envie d'aller chez lui. En disant, mon ami, peut-être que tes quatre amotes sont ceux qui sont en dessous de l'arbre, mais les plus proches de toi. Ils sont les plus proches de toi. Auquel cas, tu as perdu 30 amotes. Parce que l'arbre, il s'élargit sur 30 amotes. Donc, tu as perdu 30 amotes. D'accord? Donc, tu ne peux pas aller. On va calculer tes 2000 amotes à partir des quatre, à partir de l'extrémité de l'arbre qui est de ton côté à toi. Donc, comme l'arbre, il a une étendue de 30 amotes, donc tu auras perdu 30 amotes. Ce n'est pas Médouillard quand j'ai 30 amotes, c'est Rachid qui a dit ces mots-là, et Marcha, il dit c'est l'arbre d'Afra. D'accord, c'est 15 amotes en fait. Parce que c'est à partir du tronc qu'on a 2000 amotes jusqu'à la maison. Donc, quand je calcule à partir des branches qui sont de mon côté, il n'y a que 15 amotes et pas 30 amotes. Mais Rachid dit du mot 30. Très bien, maintenant je reprends. Donc, aller chez moi, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que qui a dit que tu as les quatre amotes qui sont proches de ta maison, en dessous Maison. là? Peut-être c'est de l'autre côté. Si maintenant, moi, j'ai envie de faire une marche arrière, là où je suis, j'ai envie de faire une marche arrière, on lui dit non, mon ami, peut-être que tes quatre amotes qui sont en dessous de l'arbre, ce n'est pas ceux qui sont de ton côté en dessous de l'arbre, c'est ceux qui sont de l'autre côté, du côté de ta maison. Donc tu ne peux pas faire non plus marche Arrière. arrière. Sur ça, on dit l'arbre, tahat, venaasa, tahtaou shel ilan, en dessous de l'arbre, naasa, hamar, gamal. On tire de chaque côté. Ces expressions, on l'a déjà vu en haut. Hamar, gamal. D'accord? Le gamal, on ne tire pas la tête, le hamar par le derrière. Il doit se tourner des deux côtés. Là aussi, si il veut compter de là, on lui dit non, monsieur de là. S'il veut compter de là, on lui dit non, monsieur de là. Donc il va perdre. Il aura le droit d'avancer, mais il va perdre une petite distance. Voilà, selon Shmuel, la Kavana, selon l'explication de Rashi. D'accord? La Kavana du Tana, selon l'explication de Rashi. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est Rashi veut. Alors, avant de rapporter le deuxième pirouche de Rashi, je continue encore une ligne de Gemara. Nafnou l'amud rishon. Amar Rabba, maït amad elav. Quelle est la raison de la? Vous l'avez expliqué nous déjà. Mishum de l'homme essayem atre. Rav, il a dit, monsieur, tu ne peux pas bouger de ta place. Pour quelle raison? Parce que tout vital là-bas. Le seul Tu n'as pas ma promesse souillable. Pour avoir le Je résultat, sais il comment. faut fixer de manière précise l'endroit. Et là, il n'y a aucun endroit messouillable. Donc, tu n'as aucun. Donc, tu n'as ni ici, ni là-bas. Comme tu n'as ni ici, ni là-bas, tu ne bouges pas de ta place. Ça, c'est l'explication de là-bas. Là-bas, te pose la question. Maïtama Rachid dit, pourquoi la question, elle se pose d'Afra sur Rav et pas sur Shmuel? Rachid dit, Shmuel, selon son pirouche, on appelle ça l'Ishnakama de Rachid. Oui? On comprend le digne de Shmuel. D'accord? Shmuel, il dit, bon, c'est vrai, je ne sais pas en dessous de l'arbre, c'est où les quatre amotes. Ok, alors soit Mahmir, donne-lui et soit Mahmir. Si c'est là, fais jusque-là. Et si c'est là, fais jusque-là. D'accord? Donc le digne de Shmuel, on le comprend, mais le digne de Rav, qu'il a zéro Shivita, on ne le comprend pas. Jusqu'à ce que Rabba nous explique. La raison, c'est parce que l'eau mesayem atre. Point. Voilà l'Agmara. Plus tard, on verra une autre raison qui va être donnée aussi par Rabba. Et l'Agmara va un mood de discuter cette deuxième raison-là. D'accord? Mais pour le moment, on s'arrête là. On va expliquer le deuxième derrière de la Chine. Jonathan, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais que des fois je t'entendais très saccadé. Je ne sais pas si c'était que moi ou pas. C'est pour ça que j'ai fait une petite Ah, alerte. je ne sais pas, moi j'ai une bonne Là, connexion. ça va mieux. D'accord. Très bien. Alors maintenant, le deuxième pirouche. Rashi rapporte
C'est lequel? Regardez Rachid, le dernier Rachid du Hamoud, il y a un long Rachid, n'est-ce pas? Ouais. Modedine, l'homme, il a sa faute. À part trois lignes en dessous, il y a marqué Lishna Harina. Ouais. Vous voyez? Alors, l'explication ici, elle est la suivante. Shmuel, il dit que je ne peux pas aller un pas à partir de l'arbre vers ma maison. De là où je suis jusqu'à l'arbre, il y a 2000 amot, je peux aller, mais je ne peux pas aller plus loin. On n'a pas dit. Ah là là, ça bloque. Ah voilà, il n'y a pas que moi, ok, d'accord. Ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. C'est quoi cette chanson de la Jonathan? Je sais pas, la vérité, je suis pas Je connaisseur. n'ai pas. Ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Ah, tu vois? Tu vois? Ouais. Tu vois, c'est quoi alors? C'est quoi? Je sais pas, je connais l'air, mais je sais pas de je connais. Shuvi Shiloh Acharno, Barecho Tu connais maintenant cette chanson? Ouais, Shabbat et on chante des fois. Voilà. Tiribara para para para. Bon, ça y est, ils aiment le caca. Le problème, il est enregistré. Bah, si tu chantes, ça va, c'est pas méchant. Non, mais tu es en train de dire arrête le caca. Ouais, bon, en attendant que Rabbi Emmanuel, il nous revient. Aïe, 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 aïe. C'est bon là, Alors, le détail? hein? Ouais, j'ai été déconnecté, j'ai été déconnecté. Ah. J'ai été déconnecté là, c'est bon. Alors, très bien. On était où là? Donc, le concept du rouge, c'est quoi? Voilà, Lissana. voilà. Donc, dit Shmuel. Shmuel dit, Kassava Shmuel, Kanalo, Shvita, Bishtea, Mekomot. Il a les deux endroits. Comme entre lui et l'arbre, il y a 2000 amot. Donc, il a les deux endroits, ou là ou là-bas. Donc, c'est Hamar Gamal, il ne peut pas bouger. Pourquoi? De là à là, il a 2000 amot. S'il veut aller au-delà, il ne peut pas, parce que peut-être sa Shvita est là où il est maintenant lui. S'il veut aller derrière lui, il ne peut pas, parce que peut-être sa Shvita, c'est l'arbre. D'accord? Et donc, il ne peut pas bouger. Ça, c'est le deuxième pirouche de Rashi. Sur ça, Rashi dit Zeshamati. Maintenant, Rashi pose trois questions là-dessus. On y va, regardez les trois questions de Rashi. Dans la démarche de l'agmara habituelle, ce pirouche qu'on vient de donner, il est un peu embêtant, il est dérangeant pour plusieurs raisons. Hada, premièrement, l'agmara pose la question, c'est quoi la raison de Rav? Et pourquoi tu poses la question à Rav? Shmuel, c'est clair pour toi? Shmuel, c'est pire que Rav. Parce que Shmuel dit pourquoi tu n'as pas été connaître la Jvita là-bas? Quelle est la raison pourquoi Shmuel n'a pas été connaître la Jvita dans l'arbre des maîtres? Ouais. Regardez, Rashi. Dekam Meshem Aitama de Rav. Awa le Shere Tfe Tama de Shmuel. Demite de Rav, Mishtaber Tfe. Ce que Rav dit, c'est plus logique. De même comme Raglam, Lora Saliknot. Là où il est, il ne voulait pas acquérir. Le de qu'on ne sait pas ce qu'il a désigné là-bas.
Si tu as un kinyan, même si tu ne désignes pas précisément, alors il doit être là-bas. Sinon, ni ici, ni là-bas. Pourquoi il a ou ici ou là-bas? Pourquoi il jongle avec les deux? Là, il n'a pas voulu acquérir. Ça veut dire, oui, mais quand même, il est ici. Pourquoi? Parce que Rabbi Yohanan ben Nouri, dit même à quelqu'un qui dort, il a une djvitala à sa place. Alors, dit Rashi, Rabbi Yohanan ben Nouri, le Kahamar et la Hefse frère Oyashen, Avalze, Shamar, Bepirouche, Emiro, c'est l'Ichnotkan. Il a dit que là, je ne veux pas être ici. Alors, pourquoi ici, il va avoir un Kinyan ici? Je ne comprends pas. Donc, Shmuel, on comprend encore moins que Rav. Comment ça se fait que la Gemara pose l'action d'un pas sur Rav? Rav, tu peux ne pas le comprendre. D'accord? Mais Shmuel, tu peux ne pas le comprendre. Mais je peux te donner une explication. Mais Shmuel, je comprends pour moi. Ouais. Comme il a dit, Rav Rashi, il vient d'expliquer. Mais Madame Char, d'accord? Si Béhémet n'a pas besoin d'un Sioum, d'être Messayem, alors il doit être là-bas. Et s'il a besoin et il n'a pas, alors qu'on sait qu'ici, il a une Juta. D'accord, dans son Heshbon. Il a une Juta même à partir de là jusqu'à l'arbre. Il peut y aller. Pourquoi? Il a décidé de se transporter là-bas. Ça y est, c'est fini. Même sur le Biohana Ben-Nouri. Voilà, deuxième question. Deuxième ou première, pardon. Première question, pardon. Deuxième question. Veod, Maina Asa Tahtaou Shel Ilan Hamar Gamal. La Gemara, elle a dit Tahtaou Shel Ilan, c'est Hamar Gamal. C'est pas Tahtaou Shel Ilan qui est Hamar Gamal. Oui. Achi, ben, il est même là. Ou Shmuel Amar, elle est Hamar Gamal. Lui, pas. Avec l'arbre, il est Hamar Gamal. Mais pas en dessous de l'arbre, c'est Hamar Gamal. Lui, derrière, il ne peut pas, parce qu'il est tiré vers là-bas. Devant l'arbre, il ne peut pas, parce qu'il est tiré vers lui. Troisième question. Rod, Maï Mina Safon ou Mina Darom. L'Amral a dit, Balim Don Mina Safon, Modenino Mina Darom. Balim Don Mina Darom, Modenino Mina Safon. Le pirouche de Mishneh Aharim, là, Maï Mina Safon ou Mina Darom, Bemakom Ehad, Yesh Lomar, Misono ou Midromo. Aval Mishneh Mekomot, Lo Shayach Aelishana. Pourquoi la troisième question? Maï min hasafon ou min adarom? De ma com et had, yish lomar misfono ou midrumo? Ava bishne me komot, lo shayach ha ilishana. En deux endroits, ma com et had, yish lomar misfono. Avant Bishne Mekomot, ouais, là, qu'est-ce qu'on a dit nous? Nemi Safon Mina Darom, Safon de l'arbre, Darom de l'arbre, ouais, Mai Mina Safon Mina Darom. Et Shlomar, dans le cas où on doit dire, dans le Mishneh Aharim, on aurait dû dire Misfono, Balimdod, Balimdod, Misfono, Midromo. Il faut que je sois amérien sur la troisième question. D'accord, je n'ai pas bien parlé. Ok, bon, voilà les tropimes qu'il y a dans ce pirouche-là. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là, on fait juste deux Tosfot dessus. Après, on continue la Gemara. Voilà. Tosfot, tu as fil ou les tartas ou chez l'Ilan, non, merci, Aziz. On a dit que Rav pense que même sous l'arbre, il ne peut pas aller. Il ne peut pas bouger de sa place. Pourquoi? Comme Rashi l'expliquait, « Demi makom l'arlam akar daté, vita hati l'anami l'okana, l'ekakhlu yazuz min kou. » Veim tomar, peperech bakol me'arvin. Qu'est-ce que lui est arrivé, cela? Qu'est-ce que lui est arrivé? Pourquoi il ne peut pas bouger? Excuse-moi, je.
Ah, Rav, on a expliqué déjà. Alors Rav, il a dit, parce que le bonhomme, il a voulu que sa shvita soit sous l'arbre, donc il ne veut Oui. pas que sa shvita soit ici. D'accord? D'ici à l'arbre, il y a 2000 amot, donc c'est bon a priori. Le seul problème, c'est qu'en dessous de l'arbre, ce n'est pas messouillable, l'endroit, il n'est pas bien défini, donc même là-bas, il n'a pas. Donc il a ni ici ni là-bas. Tu me Oh. Comme de faute, non, rappelez, ouais, maintenant. Slush ou quoi? Slush. Ça veut dire quoi? Pourquoi elle a dit que je vais me je Non, il a vais voulu, parce que avoir lui, il voulait arriver chez lui. Il hein? voulait arriver chez lui, qui était de l'autre côté de l'arbre à 2000 amot. On s'en était bien. Ah Si oui. il a dessiné l'endroit, ça aurait été bien. Et là, il a pas bien désigné. Tant pis pour lui. Pardon. Soit tu dis dans la Gemara en haut, on a vu Gabé Nidgelgel Khoussatroum, sujet du cas où Nidgelgel Khoussatroum, le Elouv. Alors la Gemara a dit là-bas, Alezé, Safek, Alezé, Hamar Gamal. Veyeshlo mi beto ad iruvo alpaim velo amar velo yazuz mi mekomo. Pourquoi? Ici, finalement, le bonhomme, il a un doute. Ouais. Il a mis un ou à 2000 amot. Maintenant, on a un safek. Ouais. Est-ce que ce ou-là une galgen? Il n'a pas trouvé. Attends une seconde. Il a Ouais. changé de place. Non, si maintenant le L'aéro. ouais, on a un safer, quand est-ce qu'une Nidgalgel? Après le début du Shabbat ou avant? D'accord? On a un safer, quand est-ce qu'une Nidgalgel? Alors, quel est le djinn là-bas? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit allez Hamal Gamal. Il peut aller ni là ni là. Rachid là-bas, il a expliqué. C'est possible que le Hérouv, il a marché. Et s'il a marché, il peut aller de là jusqu'à son Hérouv, et du Hérouv, plus loin encore 2000 amot. Et c'est possible que le Hérouv n'a pas marché, parce qu'avant l'entrée de Shabbat, déjà, il s'est éloigné. Et donc, il a de là où il est 2000 amot, et derrière 2000 amot. Donc, il ne peut rien faire. Il peut faire que de là, comme on a un safer, il peut aller que de là jusqu'à au Hérouv, c'est tout. Jusqu'à là où était a déposé le vélo. Il n'a que 2000 amas. Oh, allez-y, Hamal Gama. Je pose la question. Là aussi, il a un safek, le bonhomme lui-même. C'est comme un djinn, ce n'est pas messouillable, l'endroit n'est pas fixe. Alors que dans le cas de Rav, si nous, Rav a dit, ce n'est pas fixe, tu n'as rien du tout. Et ici, tu vois bien qu'il a quelque chose. Pourquoi on ne dit pas ici qu'il y a un safek alors que tu n'as rien du tout? Pas ça. Comment ça se fait que dans la médaille, on dit, il a quand même quelque chose? Alors qu'ici, on dit qu'il n'a rien du tout. Dans les deux cas, il ne sait pas le bonhomme. Il est où sur les roues? Voilà la question de Tosfot. Et Tosfot répondait même à Rashi. Donc, comme ça, le Guilion Hachas se fait remarquer que Rashi, il a répondu la même chose là-bas, dans Daf Samer, dans notre passage est à nous. Là-bas, on parle, il est dans sa ville. Donc, lui, si mon héros, il marche, mais s'il ne marche pas, je suis dans ma ville. Hein. Dans ma ville. Lo akar date me'iro. Vedato sheim lo nikne sham shvita, shei lo trom beto. Si la shvita ne marche pas, j'ai quand même trom beto. Mais comme maintenant, il ne s'est pas vu ou non, c'est pourquoi on dit hamar gamal. Donc, il a que le tronçon de là où il est jusqu'à là où était déposé le. Mais alors là, si le héros ne marche pas, hein, ouais, c'est ici, c'est là mon. Mon ma jvita, ma maison, ma ville. D'accord? Voilà pourquoi. Par contre, chez nous, il n'est pas dans sa ville. Il est dans la route. Donc, comme il est dans la route,
Il a dit, mais j'étais allé sous l'arbre, ça y est, pas ici, pas du tout ici. Si ça ne marche pas sous l'arbre, ben c'est fini. Alors que là-bas, si ça marche, mon héros ne marche pas, je reste avec mon héros de ma vie. Et c'est dans ma vie. Ouais. Ça, c'est Tosfot le Hafilou. Tosfot Maïtama, Derav, Kolchen, Bezer. Ah non, ça, c'est la suite d'Agmara. Bon, alors, on est obligé de continuer la suite d'Agmara. On continue. En fait, tu te sois allé sur Dafnoun. Et quand il y en a qui disent Amar Abba, Maït Amadera, Mishum de Passava, Kol Shen, Beze Ahamze, Afilu Bevata Hateno. En fait, la raison de Rav, c'est quoi? Tout ce que on ne peut pas le faire un après l'autre, et quand quelqu'un qui connaît Jvita à un endroit, il ne peut pas après être connaît Jvita à un autre endroit. C'est celui-là, ça y est, c'est celui-là. Donc, si, lorsque une Jvita après une Jvita ne marche pas, même lorsque la Jvita des deux endroits est en même temps, ça ne vaut rien du tout. Sous l'arbre, là on est sous l'arbre, ouais. Il y a beaucoup d'endroits, ça peut être les quatre amotes. Donc, puisque je ne peux pas désigner à la suite deux endroits différents, alors même quand je désigne l'ensemble, ça s'appelle comme si je n'ai rien désigné. D'accord ? Regardez, Rashi. Kol she'enu bezeh ahalzeh, dekiwan de im siyem al basuniyot niyachol ahazor bo livron al badrumiyot. L'yot lo jvita, kan vecha, on ne peut pas faire deux jvitot là et là. Il y a man amikul ou kehada, même s'il vient à dire tout en même temps, les deux endroits en même temps, kigon acha, comme chez nous, d'amal jvitahtaou, lo amlinen le pnoal ba amot binay, on ne va pas dire qu'il y a quatre amot qui acquiert, et là rien acquiert du tout. Point. Bon, d'agmara, mae benay. Qu'est-ce qui distingue les deux réponses, deux explications de là-bas? Et pour l'agmara, il y a benayo de amal liknu li be arba amot migo shmona. Le bonhomme, il a dit, il y a, en dessous de l'arbre, il y a 8 amot. Et il dit 4 parmi 8. Ça marche ou pas? Il n'a pas désigné c'est lesquels. 4 parmi 8. Rachid, entre parenthèses, il dit pourquoi on a dit 8 amot ici? Il dit, puisque plus tard, on verra, Ravuna Bledavechoa, c'est comme ça qu'on va être mon crime le cas. Encore de 8 amot. D'accord? Et c'est une parenthèse. Quel est le dîme dans ce cas-là? Alors, selon le Pirouche, que ce n'est pas Messouya, même là, ce n'est pas Messouya. On ne sait pas les 8, c'est les 4 ceux-là ou les 4 ceux-là. Donc, il n'y a pas d'Okinyan Shvita ici. Mais selon celui qui dit Kol She'enu Bezeh Ahalzeh Enu Bevat Ahad, d'accord? Ici, alors on dit la Gemara Mandama Mishum Delo Meseyem Atre Halo Meseyem Atre. Celui qui a dit que le problème, c'est parce que l'endroit n'est pas désigné précisément, même là, il n'a pas été désigné précisément. Donc, ça ne marche pas. Mandama Mishum Kol She'enu Bezeh Ahalzeh Afilu Bevat Ahad. Non! Selon la deuxième explication de là-bas, Aïe, Karba Amodemi. C'est comme s'il a dit 4 amot. Déa, déacha, arba amot kam. Que là aussi, il a vraiment dit 4 amot. Il a 4 amot parmi 8. D'accord? Il n'a pas dit tout l'endroit de 8. Il a dit 4 amot. Donc même si ce n'est pas Messouya, parce que lui s'en fiche de Messouya, c'est déa là. Ça marche. Voilà la naframina entre les deux explications de Rabba. Maintenant, on peut faire deux tosfot. Alors la question que tu as, c'est la suivante. Quoi la question de Zot? Mais pas toutes. Shmuel, il n'est pas d'accord avec cette idée. La preuve, c'est que Shmuel a dit que ça marche. Seulement, il y a Hamar Gamal en dessous de l'arbre, c'est Hamar Gamal, c'est tout. D'accord? Mais sinon, il n'y a pas de problème. Ça marche. Alors que selon Rav, ça ne marche pas du tout. Tu n'as rien dit. Ça veut dire, tu n'as même pas une Jvita là-bas. Ici, tu n'as pas, parce que tu t'es téléporté d'ici. Tu n'as pas une Jvita là-bas du tout. Alors que selon Shmuel, tu as une Jvita, mais on ne sait pas laquelle on est marmire.
C'est tout. Très bien. Alors, Bepashtout, on aurait voulu dire que Shmuel ne tient pas le principe que Rabba a cité. Voilà, a priori, ce qu'on aurait dit, nous, si on s'arrête là. Et de toute façon, il faut remarquer que non, ceci n'est pas vrai. Pourquoi? Alors, pourquoi c'est pas vrai? On va voir. Regardez, Tosfot. Shmuel, ou Breita del Kama, parce que plus tard, on va voir une Breita qui va comme Shmuel. Et Tania Kawate, Ikleu de Rabba Be'alma. En fait, ils sont d'accord avec Rabba en général, que tout ce qu'on ne peut pas faire un après l'autre, en même temps, ça ne marche pas. On verra des exemples par la suite, ne vous inquiétez pas. Ikleu de Rabba Be'alma. Alors, pourquoi ici, Shmuel, tu dis que ça marche? Ici, Khamein, c'est Rabbana. Merkele, il ne faut pas être mahmir sur ça. Oui. Pourquoi tout ce faute, je m'impose à dire ça? Et pourquoi je ne dis pas tout simplement que Shmuel n'est pas d'accord avec Rabba? De elle, l'omar des pligues. De ha, akha, machma, l'ichora, d'ilchetak, Shmuel. Soit dit parce que, ici, dans notre mara, a priori, la khale comme Shmuel. Quelle preuve tu as? Mais de dahik, l'omar, l'iba, de la, aftala ou palik. C'est vrai que Rav Shmuel, normalement, la khale est comme Rav. Seulement, on va voir une vérité ici qui va aller dans le sens de Shmuel. Et Rav, il va être objecté par cette vérité-là. Et la Gemara, pour s'en défendre, elle va dire Rav Tana Upalik. Mais ça, c'est un Doha Gadol. Donc, Bepashtout, on tiendra comme la vérité, c'est comme ça que Tosfot pense. Donc, la vérité va comme Shmuel. Donc, ici, à priori, on tient comme Shmuel. On matitine des pères chénis des Kibushim. Par contre, il y a une Mishnah dans Perek Sheni, dans Kiddushin, qui parle de Mekadesh Isha Obita. Et cette Mishnah-là, quelqu'un qui se marie avec la fille, dans des Kiddushin, à la fille et à la mère. Ouais. Cette Mishnah-là, l'homme tourma, et la liba de rabat, les maïs dépassés, katab de Kiddushin, chez le Mishnah, au Kiddushin. Là-bas, on a tranché la lafa, que des Kiddushin, qui ne peuvent pas amener à une bia, ouais, eh bien, ce n'est pas des Kiddushin. Une fois qu'on a été pour ça, ce ligne-là, on a réussi à expliquer la Mishnah, le Kadesh Isha Obita, que selon l'opinion de ce que Rabba a dit. Donc, dire que la Khali comme Rabba. Alors, comment c'est possible? Là, la Khali comme Rabba d'un côté. Là, la Khali comme Shmuel ici de l'autre côté. Alors, comment je fais? Comment je fais si je dis que Shmuel est Khalir sur Rabba? Réponse de Sfot. Shmuel n'est pas choler sur Rabba. Il est d'accord avec Rabba en général, mais Tromen, il est mérité. D'accord, Tromen, il n'a pas le principe de Rabba. Là, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Le roi d'Ishlomar, de Achazavar, qui va dire mal Shvita Chita Hataha Ilan. La Shvita, oui, Arba Amot. Oui, qui est Ilou, Amal, Liknouli, Arba Amot, Migotamdi. Shmuel, en fait, il pense, et sur ça, il y a la mahloké. Quand il a dit Shvitati Tahada Ilan, c'est comme s'il a dit Shvitati, Shvita, c'est 4 amotes. Et là, mais il fait 8. Alors, c'est comme s'il a dit 4 dans 8. 4 dans 8, ça marche. Mais Rav, il n'est pas d'accord avec ça. C'est pas comme si tu as dit 4 dans 8. Voilà leur mahloké. Très bien. Omode Shmuel, ben Faresh. Vraiment, Shvitati, c'est Bechol Hetamot, c'était Ilan de l'Okan. C'était Ilan, pardon, de l'Okané. Et donc, et selon ça, ça va sortir que si Shmuel, si le bonhomme il a dit, que même Shmuel va être d'accord avec Rav, que s'il a dit que Shvita Chite Bechol Shmona, que ma Shvita elle soit dans les 8 amot, il a dit ça, ah, ça ne marche pas. Comme Rav, tu vas être d'accord, ça va sortir comme Rav dans ce cas-là. Très bien, se dit, si comme ça, j'ai un problème. Regardez, Obraït Anamid El Khaman de Ta'av Yereb Ishtel Wachot. On verra cette breita, ça va être la breita qui va aider Shmuel plus tard. Quelqu'un, il s'est trompé. Il a fait deux Elouf. D'accord, il croyait qu'on peut faire deux Elouf. Un le matin, un l'après-midi. Ouais, un à droite, un dans le nord et l'autre dans le sud. Un à l'est, l'autre à l'ouest. D'accord? Il croyait que ça marchait. Alors, là-bas, on va dire, donc à Bepashtout, quand il fait les deux, normalement, comme Bézer, ça ne marche pas, ça ne doit pas marcher du tout. D'accord? Et pourtant, on dit que cette bête a aidé Shmuel. Ça veut dire que ça ne va pas aller comme Rav. On dit que dans ce cas-là, Shmuel est d'accord avec Rav. On a un problème ici. Shmuel n'a mis « Derkama de ta'av yirev b'shter uchot » Alors, il faut garder le cas où il y a un « b'shter uchot » qui est « ahad ». Donc, question.
D'accord. Comme Bézère, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu as dit que Shmuel est d'accord avec cette idée-là. D'accord? Et là, il nous cavène, les me laisser. D'accord? Il croyait que ça marchait de faire deux. Alors, quoi, c'est une Tania qui aide, une Baïta qui aide Shmuel. Parce que là, même Shmuel, il est correct là, vous l'avez dit. Alors, tu sois de répondre. Yeshlomar, de kol amara bishter ruchot ke ahat, mesupak ou belibo, vedato shem lo yikno lo shvita, shem lo yikno lo shvita shtem, yikne behat mehen. L'akhi avi avi ero behat mehen. Alors, tu sois de répondre. C'est différent là-bas. Enfin, on doit répondre, on doit dire. De kol amara bishter ruchot ke ahat, tous personnes qui met à rêve dans deux endroits, même s'il croit que c'est, ça marche dans deux endroits. Ouais. Mais sous pas au belibo, dans son cœur, il pense. Ouais. Mais sous pas au belibo, il est douteux. Ça veut dire, il s'attend un petit peu que ça ne marche pas. Machenken, quand tu dis Machvital est sous l'arbre, il y a huit amot. Machvital est dans les huit amot. Ça, c'est quelque chose qui est moins évident de croire que ça marche pas. Mais ça, c'est deux chvitotes, on peut comprendre que ça ne marche pas. Donc, il est un peu mesoupar, il doute déjà de ça. D'accord? Mesoupar ou belibo, vedato. Et donc, il pense en fait, que si maintenant il n'a pas les deux, oui, une des deux, qu'elle marche. Maintenant, on ne sait pas laquelle, donc c'est ce qui va être discuté plus tard. D'accord? C'est pour ça qu'il y a quand même un Eruv ici. On a dû faire, de toute façon, on a dû faire ici un Doha, une Zvara un peu spéciale, pour être mis à Chèvre leur deuxième Tirus, le Verod Yeshlomar. Très bien. On continue, de toute façon, d'après, Kol Sheen Obezé Aharze En Obevatahat, Veomeri, Delo Demi Litmura Ola Ushlamim. Voilà, on voit quelqu'un qui dit que cette béma-là, la béma, elle est tmourat, ola ou shlamim, qu'elle soit leur remplaçant, la tmoura. Ça marche ou pas? Ça marche. Pourtant, si tu dis cette bête-là, elle est Olat Moura, après tu répètes, cette bête-là, elle est Olat Shlamim, ça y est, c'est fini, mon ami. Ça ne marche pas, ça. Donc, on voit ici un cas que En Obezer Hazé, et Bevatahat Yeshno, pas Eno, Kushia. Réponds tout ça. Atam Efshal et Kayem Shneem. Mais oui, là-bas, pourquoi ça marche, Bevatahat? Parce que ça peut marcher. Bevatahat, ça peut marcher. Ça veut dire quoi? Comment ça peut marcher? Quand tu dis cette bête-là, elle est Olat Moura, Olat ou Shlamim, la bête, tu attends qu'elle ait un défaut. Quand elle a un défaut, tu la vends. Tu récupères l'argent. La moitié de l'argent, c'est là. Tu achètes un problème dans l'autre moitié, tu achètes un problème chez l'ami. Donc ça peut se mettre, ça peut s'exprimer, aucun problème. D'accord? Pourquoi là-bas ça marche? Là-bas, il ne parle pas de ça. Là-bas, il ne parle pas de ça. D'attendre, mais j'en ai trahi, je que de Amalatam de Tirat Shistev, Betimacher, où il y avait Bidme Hesia Ola, ou Bidme Hesia Shlamim, Avalacha, Lokano, Kol Shmonamot, ici chez nous. Comment tu veux qu'il soit poney? Les huit amot. Veminayo Maïtit, des Kane Anéarba, Lokane Anéarba. Je ne peux pas accomplir les deux, je ne peux pas appliquer les deux. Oui, il a ses quatre amot, il a ses quatre amot. C'est pourquoi, comme quatre amot, et après tu désignes d'autres quatre amot, ça ne marche pas. La même chose si tu désignes les huit amot directement. Ça ne marchera pas. D'accord? Là où est-ce que ça marche, c'est quand ça peut s'appliquer. Vatahat, ça peut marcher. Dans ce cas-là, je ne discute pas. Dans le cas de 8 amot, ça peut marcher. Où tu as les 4? Là où tu as les 4 là? Je ne peux pas avoir les 8. Comme je t'ai, c'est que 4 amot. Très bien. Au même cas, dans le cas où quelqu'un veut donner des kiddushim à une femme et à sa fille, il t'a fait ses kiddushin béha. L'autre t'a fait ses béha. Là aussi, la même chose. On ne peut pas marier une fille, sa mère, puis après sa fille ou le contraire. Même les deux ensemble, ça ne marche pas. Mais les deux ensemble, ça ne peut pas marcher. Parce que si elle me protège avec l'un, l'autre, ça ne marche pas. D'accord? Donc, ce n'est pas comme la bête. D'accord? Au même Kadesh, Isha Obita, il t'a fait ses kiddushin béha. S'il y a les kiddushin dans l'une, l'autre t'a fait ses béha. Il n'y a pas les kiddushin dans l'autre. Les kiddushin ne s'accrochent pas dans l'autre.
De même, tous les cas qu'on va voir par la suite, on va parler beaucoup de ça maintenant, trois cas, on va mener, et même dans Kedoshin, il y a ces mêmes cas-là. Tout ça, c'est des cas où Vatahat, ça peut pas marcher. Ouais, ça veut dire, il y aura un problème. Vechen, Tayem Lechi ou Moufar Lechi, Ben Darim. Un homme, il dit à sa femme qui a fait un éder. Ouais, vous savez que l'homme, il a le pouvoir de être Mekayem ou d'être Mefer. Ouais, il lui a dit, Kayem Lechi ou Moufar Lechi. Ouais, il a dit les deux phrases. Il a embrouillé, ouais. C'est Kayam, le Neder est Kayam pour toi et il est Moufar pour toi. Alors, comment ça marche là? Les deux phrases sont aussi contradictoires. Si maintenant je dis Kayam, après je dis Moufar, ça ne marche pas. Une fois que tu dis Kayam, c'est fini. Tu ne veux pas après être Mefer. Si tu as dit Mefer, après tu ne veux pas dire Kayam. D'accord? Même si elle dit en même temps, ça ne marche pas. D'accord? Et là aussi, le mot Kayam Lechi, Moufar Lechi, ils ne peuvent pas cohabiter. Ils ne peuvent pas cohabiter. C'est pas comme la bête, donc. La bête, qu'elle soit Mourat Ola ou Shlamim, elle, ça peut, ils peuvent cohabiter. Tu la vends, tu récupères l'argent, tu as l'argent de l'un et l'argent de l'autre. Point. Que ce soit tu dises que Ri, il a donné une autre explication à cela, à la question, c'est une autre réponse à la question qu'il a posée. Mais l'autre pirouche que tu souhaites nous ont pas fait part, ne règle pas le problème de Nedari. Non, regarde, c'est la glace, les miens. Très bien. On continue la Gemara. Goufa. Vous voyez où est-ce qu'on est là? Goufa, à peu près à 8 lignes, 9 lignes à partir du haut. Goufa Amaraba. Kol davar she'eno beze aharze afilo bevatahat eno. Donc Rabba nous dit toute chose que Bézé Harzé, ça ne marche pas, même ensemble, même quand tu le fais Bevatahat, ça ne marche pas. Itivé, Abayé les rabbins. Donc ici, on va voir, comme je dis tout à l'heure, 1, 2, 3. Trois questions. Question-réponse, question-réponse, question-réponse. Amar Rabba. Pardon, Itivé, Abayé les rabbins. Amarbe be marcerot, be marcerot, pelotam et tukanim, marcerotam et kulkalim. Celui qui, vous savez que le marcer c'est un dixième, lui il a donné plus qu'un dixième, on va dire il a donné un cinquième. Il a 100 kilos, au lieu de donner 10 kilos, au marcer il a donné 20 kilos. Alors les 80 kilos restants, ils sont merosalim. Ouais. Au 80, il faut 8 kilos, ouais. De Maaser. Et le reste, les 20 restants, alors il y a un balagan ici. D'accord? Il y a du Maaser et il y a du Tevel, parce que les 10 autres kilos, ils n'ont pas. Ouais? Il y a du Tevel. Donc il y a du Maaser et du Tevel dans les 20 kilos qu'il a donné au Lévi. Donc il faut trouver un moyen de réparer ça. Mais en tout cas, Kaït, les 20 kilos qu'il a donné au Lévi posent problème. Et soit mes kulkalin, on appelle ça. Amai. Managmarai, pourquoi ça, Bémet? Selon ton principe là-bas. C'est quoi la question, Amai? Pourquoi les 80, ils sont réparés? Les 80 kilos que le Baal Abayit a gardé pour lui, ils sont mes tukanim. Et pourquoi? Les ma, je devrais dire, kol she'eno beze aharze, afilo bevatahat eno. Tout ce qu'on ne peut pas appliquer l'un après l'autre, même ensemble, ça ne marche pas. C'est-à-dire quoi ça? Vous savez que si maintenant j'ai désigné le maaser, vous savez qu'il y a une différence entre le maaser et la truma. Truma, la Torah l'a dit, Hita hat potelet kol akir. Il n'y a pas un shiur que la Torah l'a déterminé. D'accord? Les hakamim ont donné un shiur, un cinquantième, benoni, un quarantième, le généraux, un cinquantième, le radin. La Torah n'a pas de chiour, donc je peux donner une trauma grande, on s'en fiche, ça rentre dans la liste de la trauma. Mais au niveau du maaser, la Torah l'a précisé, d'afra un isour, un dixième. D'accord? C'est pourquoi il faut être précis, sinon il y a un problème. Alors, demande à Gemara, comment ça se fait que les perrottes du Baal HaBayit, ils sont metoukanim? Pourquoi ils ne doivent pas être metoukanim? De la même manière que s'il dit, il prend. Sur les 100 kilos, il prend 10 kilos, il dit ça c'est le maaser. Ça marche.
Après, il prend encore 10 kilos. Il dit, ça, c'est le maaser. Ça marche. Lo amar klum. Ça y est, le maaser a déjà été désigné. Le deuxième maaser ne vaut rien. Alors, la même chose, s'il prend 20 kilos et il dit, ça, c'est maaser. Lo amar klum. Et si lo amar klum, ça s'appelle que les 80 ne sont pas metukanim non plus. D'accord ? Donc, là, Kushia d'Agmara, comment ça se fait, selon ton principe, toi, là-bas, qu'on dit, perota ou metukanim, lema kol sheino bezeh haze, afilo bevat ahad. Eh non, voilà la question de l'Agmara. Répond l'Agmara. Shani ma'aser de'ite la hasa'im. Ma'aser, c'est différent. D'accord ? Pourquoi ça marche, le vatahad ? Parce que de'ite la hasa'im, ça veut dire quoi ça ? De'ite la hasa'im. De'i amar tikdosh palga palga de'hiteta kacha. Parce que s'il avait dit que la moitié de chaque hita, ouais, qu'elle soit kadosh ou chaque maaser, ouais, eh bien, ça marche. Ça marche. Alors, comment on a répondu à la question? Comment ça se fait que quand il dit que les 20 kilos sont maaser, tu m'as dit que ça marche? Ça, c'est la question. Comment la Gemara a répondu? Shani maaser de ite la hasayin. Regardez la chi. Shani ma'aser, de la ri perota ou metukanim. Tu sais pourquoi ces fruits à lui, au bas là-bas, avec les 80 kilos, ils sont metukanim. De al kol girger ou girger, shebo, hal hashem alav, le fi hashbon araoui le ma'aser. Parce que chaque grain, dans chaque grain qu'il a pris, des 20 kilos, il y a ma'aser, il y a hashem ma'aser alav. Exemple, Egon. Il fait chez Had Mahamisha. Il a pris sur les 100 kilos, il a pris 20 kilos, comme dans notre exemple. Un cinquième. Alors, Kadesh Kol Gargir, Hesio. Chaque Gargir, ouais, il y a 20 kilos, il y a 10 kilos de Maaser, pas 20. Oui, mais chaque grain, ouais, la moitié, elle est Meroser. Donc, les 20 kilos, il y a 10 kilos qui sont merosalim. Mais chaque kudusha, elle est dans un demi-grain. Donc, ça sort que tous les grains, ils ont une partie de kudusha. D'accord ? Aval gabe shvita, le kalememar de shaykha de chol tahtaw, celui-là. Tu ne peux pas dire, je vais faire mes 4 amotes un peu partout dans l'arbre. Ce n'est pas possible. Il faut les 4 amotes dans un même endroit. Derba amot kadade baïna. Wow. C'est pourquoi ça ne marche pas ça dans l'arbre. Rachid après, maintenant celui qui a pris 20 kilos, c'est comme si il a dit ouais, que la moitié de chaque grain, que ce soit Merkoudash. Est-ce que ça marche? Ben oui, ça fait qu'il y a 10 kilos qui sont Merkoudashim. En tant que maaser. C'est bon, c'est très bien. Alors, voilà, ça marche. Voilà. Donc, c'est la réponse de l'Agmara. Donc, je reprends. Question-réponse. Pourquoi on ne dit pas Kol Sheno Bezer Hose Afilu Bevatahat? Et donc, même les paroles du Baalabai, ils ne sont pas Metokanim. Réponse non, maaser, ce n'est pas un problème parce que Ite la Hasaim, quand tu prends les 20 kilos, il se peut qu'il y ait maaser dans ces 20 kilos sans aucun problème. D'accord? C'est pourquoi, même s'il a pris les 20 kilos en tant que 20 kilos de maaser, ouais, c'est comme s'il a dit « Tikdosh kol hiteta le palga ». Très bien. Vas-y. Continue la Gemara. « Ware maaser behema » D'abord, je vais faire la Gemara, chaque lavétal est de la Gemara. Après, on verra l'iné dans les Tosfot, ce qu'on peut faire. Voilà, Maaser Behema, Delite la Hasaïn. Voilà, Gemara, mais voilà, Maaser Behema. Il n'y a pas la Hasaïn. Et il n'y a pas Zéaharze non plus. Et pourtant, le Amar Rabba, et Rabba a dit, il y a une Kirsa où il y a marqué Rabba. D'accord? Mais c'est un peu dur cette Kirsa-là. Si tu marchais à partir de là-bas sur là-bas. Là-bas lui-même,
D'accord, même de la chine, on voit que c'est là-bas. Mais Amar Rabba, Yasu Shnaim Ba'asiri, Ukraan Asiri, Asiri, Hadassar, mais on a vu une zépazé. Quoi? Venez, on essaie de comprendre. C'est quoi la question? Il y a deux. Non, je l'explique le cas après, tu interviens. Maaser Bema, l'état la Hassein, on va expliquer c'est quoi ça. L'état la Hassein, on va expliquer comment faire Rashi. Rabba a dit, Yas Ushnaim, il y a 1, 2, 3, 4, ouais, 5 moutons, 6 moutons, 8 moutons, 9 moutons, et après, dans le dixième, il y a 2 qui sont sortis. Voilà, c'est l'île de Kodesh. Il y a 2 qui sont sortis. Ouais, Yas Ushnaim Ba'asiri. Quand il y a 10, 2, ils sont sortis. Ukraan Asiri, il les a appelés Asiri. Majin, Asiri, ve Hadassar. Me'oravin zebazé. Le 10 et le 11, ils sont mélangés. On les considère comme un grand keves. Non, on ne considère pas comme un grand keves. Asiri, ve hadassar, me'oravin zebazé. Le 10 et le 11, ils sont mélangés. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont mélangés? On va expliquer tout de suite. Quand on va faire la chine, on va expliquer tout de suite. Mais de là, je vois, une seconde. Et on réfléchit. On peut faire Maaser le 10 et le 11. Quand le 11 il arrive, on le répète, tu es le 10. Le 10, quand il est sorti, on a dit 10. Et le 11, quand il est sorti, on a dit 10. Est-ce que ça marche? Le 11, il ne vaut rien du tout. D'accord? Et le Kloum, dans ce cas-là. Ah, alors, comment ça se fait que quand le 10 et le 11 ils sortent, tu considères Asiri, Vahadassar, Nauravin, Zébazé? Voilà la couche de la Gemara. Puisque Bézéa Harzé, ça ne marche pas. Même Bévatara, tu n'aurais pas dû marcher. Et toi, tu dis non, ça marche. Seulement, il y a un qui est Kodesh et l'autre qui est Hol. Asiri, Vahadassar, Nauravin, Zébazé. Il y a une différence qui sont mélangés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont mélangés? Je répète, on va voir dans la chine. D'accord? Mais c'est ça le djinn. Il y a un Kodesh ici. Et la question est de savoir pourquoi. Selon le principe de là-bas, on ne comprend pas. Manu, on va expliquer pourquoi, parce que peut-être ils sont sortis en même temps, donc les deux, ils sont considérés comme sortis en même temps. Après, on verra tout ça sur ça. Est-ce que IF Charles Samsem ou IF Charles Samsem? Là, je ne rentre pas dans ça. La Gemara ne va pas rentrer dans ça. Alors, regardez la chine. Rashi, Ware Maaser Bema Delet El Hassein, vous voyez? Regardez Rashi. Donc Rashi va dire deux choses. On va faire comme les courses, quand il y a les courses. Il n'y a pas possible qu'ils sortent exactement. Pas, tu reviens sur le problème, si Yves Charles Samsem ou pas. C'est ça ton problème. Je n'ai pas parlé de ça. La Gemara ne va pas parler de ça. Okay. D'accord? Toutefois, tu vas rentrer dans ça. Maintenant, dans la Gemara, a dit Ware Maaser Bema Delet El Hassein, comme le cas de Maaser. La Rachid explique c'est quoi l'et et la Hassaïd. Et après, il va expliquer la deuxième point, c'est quoi qu'il n'y a pas aussi Zé Harzé. Et maintenant, je te pose la question à toi, Rabba. Alors, regardez, Rachid. Ouale ma'aser bema d'elet et la Hassaïd. Dei amar hassita le Zé Holin. Ou ahessi ma'aser lo amar gloum. D'accord? Une hita. Tu peux dire ma'aser à moitié, ma'aser à l'autre moitié, les Holin. Mais au niveau du ma'aser bema, ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire la moitié de l'animal, il est ma'aser, l'autre, il est Holin. Lo amar gloum, il kadesh ta Hassaïd. D'accord? D'accord, la chère Yavot, la chère Tassi, il faut des chamans à Hamana. Il y a Kulo Kadosh le Shem Maaser. Je ne peux pas faire une moitié. Velet en ami Bézé à Harzé. Ouais. Vous savez quoi, l'est-il Bézé à Harzé? Sheim Karala Asiri Asiri. S'il a appelé le dixième, dixième. Ou la Had Asar, et le onzième, il a appelé Asiri. Et non Kadosh. Le onze, rien du tout. Et pourtant, il est entièrement maaser. Comme ça, Rabba, il a dit, l'autre, ça s'appelle à 11, on a appelé 10. On va poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, à 11 qu'on a appelé 10? Qu'est-ce que ça veut dire, Befoal? Je fais quoi maintenant avec ça? D'accord? Quand j'ai 10 et 11, que tu m'as dit un il est Kadosh et l'autre il n'est pas Kadosh, mais Orav, qu'est-ce que je fais?
Alors, Rachid ici, il explique d'une manière. Je vais faire, refaire Rachid ensemble. D'accord? Rachid ici, il explique d'une manière. Et Rachid, dans ma Maseret Kiddushin, il explique autrement. D'accord? Et Tosfot, ils disent Rachid, il hasard beau de ce qu'il a expliqué ici. Alors, on fait d'abord Rachid de chez nous. Regardez Rachid. Il ou Awaya Darbe, qui gonne chez Tara, Vetara, la Assyrie. Donc, si maintenant, il savait le distinguer, ouais, il s'est trompé. Là, là, ils sont sortis ensemble. Mais ils n'étaient pas sortis ensemble. Le dixième, il est sorti. Normal, on le connaît. Et le onzième, il est sorti. Il a appelé aussi dix. Aussi dix comme le dixième. Qu'est-ce qu'on fait? Il ou Awaya Darbe, qui gonne chez Tara, Vetara, la Assyrie, Teshiri. La had asar asiri. Non, mais il n'a pas comme ça. Veil ou awa yadarbe. Maintenant, il connaissait. Kegon. Shetara ou vetara la asiri teshé. Par le dixième, il a appelé neuf. D'accord? La had asar asiri. Et le onze, il a appelé dix. Là, il a glissé. Ouais. Aïbalan de asiri maaser. Dans ce cas-là, on dira que le dixième vrai qu'il a appelé neuf, il est Maaser. Et le onze qu'il a appelé dix, ouais, là, il va être Nikrav en tant que Shlamim, un Korban Shlamim. Oma ben Shlamim Maaser. Donc, quelle est la différence entre Shlamim et Maaser? Oma ben Shlamim le Maaser. Shah Shlamim, Tronim. Onin smicha, on fait une smicha sur la bête, la tête de la bête. On sachim, on va amener une libation de vin. Nufa chazevesho, il y a un balancement à faire dans le korban. Chazevesho, la poitrine et la jambe, ouais. Venifjin bemuman, pour la tan kreva. Ils ont un pidyon, quand ils ont un mou. Et Tmuratan Kreva. Si tu dis à les Tmuratze, on l'approche. Machenken be maase. Et ça, tout ce qu'on vient de dire, ça ne s'applique pas dans le maase. Vehashta dekran be bataha. Tu le yadaya asiri gamur. Vehe ahadasar. Rachimana l'explique. Maintenant, dans d'autres cas, ça c'est le cas, le 10 il appelait 9, le 11 il appelait 10. Maintenant, dans l'autre cas, nous les deux, le 10 et le 11, il les a appelés 10. D'accord, que l'un il est 10 et l'autre il est 11. Vehashta de Kram de Vatahat, Velu Yadahi Asiri Gamur, Vehe Ahad Asar, Shinikra Asiri, Baru Tarwayu Nufat Haze Veshok Usmicha. Rachid dit alors comment on fait? Les deux Korbanot. D'accord? On va leur faire un balancement à Haze Veshok Usmicha, donc on dirait que ce n'est pas dérangeant de faire ça. Veli Biomer, Rachid dit, et mon cœur me dit, qu'il n'y a pas de bracha. On dirait que pour lui, on fait une bracha pour chacun. On ne peut pas faire une bracha pour les deux. D'accord? Chaque korban a sa bracha. Et on ne peut pas faire une bracha sur l'autre. Pourquoi? Sur l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que tu as un safek à chaque fois. Faire la bracha de la smicha, la bracha de la tufa, je ne sais pas. Donc, eno evarech ala tufa va la smicha. On dirait qu'il y avait des brachot sur l'un et l'autre. Je ne sais pas. Dès lors, il y avait bracha de batala. Quoi? Continue ici. Concernant les Nsachim, on Nsachim, il y avait Niske Korban et Had Atnai. Il amène les Nsachim dans le Korban et il dit, il fait Atnai. Si c'est celui-là le Shlamim, voilà c'est Nsachim. Si c'est l'autre Shlamim, voilà c'est Nsachim. Alma, je vois donc de cette histoire-là, Mide Hal Shem Maaser et Had Minay, puisque dans l'un d'entre eux, il est 8 Maaser. Gav de l'Okadi Shahad Asar. Im qara al asiri asiri dawa asiri wa hazar al qara al halasa asiri afi lo akhi ki qaram fa zahat tadish amina ba asiri bien que si c'est 10 et après tu dis 11 le 11 il est paradoche ouais ici quand même quand les deux ils sont sortis ensemble eh bien tu as dit que selon ton principe on aurait dû dire il est même pas paradoche le asiri eh bien oui il est oui paradoche quand même. Fagav de l'Okadish Ahadassar, Imkara la Asiri Asiri. Le 10, il a appelé 10. Le 11, eh bien, il n'est pas Kadosh. Eh bien, ici, on voit que quand il a fait en même temps, les deux, ils sont sortis en même temps, les deux, ils ont appelé 10,
qu'il y a effectivement un qui est huit kadosh. Lequel? Ok, c'est un détail. Comment je sais? C'est un détail. Mais il y a huit un qui est kadosh. Et selon ton principe là-bas, ça n'aurait pas dû être le cas. Wow. Ça, c'est le Rashi de Shimon. Regardez Tosfot. On est toujours dedans. Alors, je fais Tosfot. Le dernier Tosfot du Hamou. Asili Vehadassan Mouravin Zebazé. Il guia Rashi Bepirush Ktaviado. Il a corrigé ce qu'il expliquait ici. Ouais, ici, il a donné une façon de comment faire, n'est-ce pas? Là-bas, Rashi, il a corrigé. Et bien, comme ça, il a expliqué dans le Rashi de Shimon, comme ça, il dit Macha. Les deux, on les laisse paître. D'accord? Pourquoi? Il n'y a pas de tchikoun. Tu ne peux pas brocher avec tes tnaïm, comme tu viens de dire, Rachid. Pourquoi? Parce que les fiches matin de même chavé. L'aspersion de sang n'est pas la même dans les deux korbanot. Shashlamim, on dit arba matanot. Shlamim, il demande arba matanot. Alors, dans le film Isbéach, alors que le maaser matana hat. Comment je fais alors? Il carrière. On les fait paître. Une fois qu'ils ont les deux un défaut, okay, je prends la meilleure bête, la plus chère. Et je dis combien elle vaut celle-là? Elle coûte 200 pièces. Ouais. Alors, je prends 200 pièces. Je dis là où il est le shlamim, ça vous aller dans les pièces maintenant. Et les deux korbanot, un marcel qui est bon, on peut le manger. Et l'autre maintenant, c'est kadashim. Chez Nifdou, on peut les manger. Ils ont certaines lois, mais on peut les manger. Donc, il y a un peu de maod, mais il y a un peu de maod, 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 il y a un peu de maod. Comme on ne sait pas ce qu'est maod, donc les deux ils vont avoir la rigueur, la khumra du korban maod qui a eu un mot. Donc, Rashi, Hazar, ceux qui sont moum, qu'est-ce qui leur arrive? Ceux qui sont? Qui sont un moum. Eh bien, on peut les manger avec certaines règles. Ok. Maaser, je parle, hein, pas le shlamim. Shlamim, il faut le racheter. Voilà. Quand tu l'as racheté, tu peux le manger. Eh bien. Alors, on a répondu, on a juste posé la question là. Oui. Réponds la Gemara. Réponds la Gemara. Shani maaser bema dei ki beze achar ze betao. C'est différent, maaser bema. Pourquoi? Parce que Betaout, ouais, Bezer Harzeya. Nous, on a dit, quand le 10 et le 11 ils sortent en même temps, ouais, alors il y a une redoucha dans le 10. Autant quand il y a le 10 et que tu appelles 10, après il y a le 11, tu appelles 10, on a dit que c'est rien du tout, là. Rien fait. Si tu n'as rien fait, alors quand tu les as appelés en même temps aussi, 10, les deux, le 10 et le 11, ça doit rien faire. Ça fait quand même. Ça fait quand même un kadosh. Répondre à Gbara, c'est différent. Pourquoi? Parce que Betaout, il peut y avoir une redoucha sur le 11. Par exemple, le 10, tu l'as appelé 9. Quand tu as attaché à Marcelin, tu l'as appelé 9. Et le 11, tu l'as appelé 10. Dans ce cas-là, le 11, il a une redoucha. Comme dans ce cas-là, le 11 vient de boucher, c'est la raison pour laquelle, lorsque le 10 et le 11 ressortent en même temps, alors le 11 ne va pas déranger le 10. D'accord? C'est ça la réponse de la Gemara. Détnan, Kara la Téchéri à Siri, si le 9e animal qui est sorti s'est trompé, il a pris 10. Vela à Siri, le 10e qui est sorti, il s'est trompé, il a pris 9. Il est remonté. Ou la harasar, il a continué par rapport à son œuf. Ou la harasar, asirishlochtan, merkodashi. Point, les trois, ils sont kadosh. Alors, comment on a répondu? Regardez la chi. Shani maaser bema deiti beze aharze betaout. Kigon imtaa be asiri ukraot ishiai. Ou la harasar asiri, kadosh a harasar. Je suis très attaché. Il est kadosh. Il ne va pas avoir le djinn d'amaaser. Il y a comme une redoucha. Ça, c'est le point expliqué tout à l'heure. Le Khalif Shlamim, Détan, etc. Et tout ça, on apprend de Psukim. On peut perdre Batra des Prolotes et le final Mikrae. Il car, Mikraan, qui est Had l'homme à Kev. C'est pourquoi quand ils appellent les 10, les deux en même temps qui sortent, c'est pas l'homme à Kev. Le 11e, le 11e animal n'est pas à Kev à la Assyrie. Il a Cholalam Shem Gamou. D'ailleurs, il y a le Goufez, il y a le Kadosh, il y a le Kriyat Shem, il y a le Maaseb, lui-même.
Le 11, il est kashur au Shem, au Maaser, quand on appelle lui le dixième. Oui. Tegon Echad Kreel Asili Shilfanaot Shari, dans le cas précisément. Le dixième, il a appelé 9, ou Akaroto. Pas comme on le disait tout à l'heure, il a appelé aussi 10, et le 11, il a appelé 10 encore une fois. Pas ça. Le Kreel Asili Shilfanaot Shari, le Hadaraba, point. Très bien. Demande à Gmara. Ware Toda de l'état Betaout. L'état Bézé Acharze. Toda, Korban Toda, vous savez que Korban Toda, on a rapporté Arbaim le Hamim. On amène 40 pains. D'accord ? Il y a 4 pains, 10 de chaque. D'accord ? Et chaque 10, c'est un type différent. Orvoucha, etc. D'accord ? Il y a 4 modèles de pains. Donc, une est Hametz. 3 Massa, 3 modèles Massa et 1 Hametz. Alors, Aretoda de l'état Betaout. L'état Bézé Acharze. Korban Toda, il n'y a pas Betaout au niveau des pains. Il n'y a pas Betaout. Et il n'y a pas non plus Bézé Acharze. D'accord ? Et alors ? Et j'ai une couche. On va expliquer après c'est quoi Taout et Bézé Acharze. C'est quoi les cas de figure avec la chine. Et pourtant, si on a dit Toda, Jenishheta, Al-Shmonim, Halot. La question est d'être à son orchestre. Un korban toda qu'on a fait la shrita alors qu'on avait 80 pains, 80 halot. Normalement, c'est 40. Lui, il avait le 2 fois 40. 80. Ezria mal kach. Est-ce qu'il a dit son kadosh? Parmi eux, 80, 40 sont kadosh. Kachu al arbaim mitor shmonim. Rabbi Yochanan amal lo kachu al arbaim mitor shmonim. Ouais, l'Okachuala, il n'y a pas 40 parmi 80 qui sont Kadosh. Donc la question, elle est par rapport à Hezbia. Comment c'est ce que Hezbia dit quand même, dès qu'il y avait 80 pas, il a dit quand même 40 parmi elles sont Kadosh. Regardez la Chine. Ware Toda. On parle de l'Ahmed Toda. De l'État Betaout. Regardez la Chine. L'État Betaout. C'est quoi l'État Betaout? Tim Ifrish l'Ahmed Todato. Il a pris des pains de Toda. Il en a fabriqué. Et il croyait qu'il n'avait pas fait. Il croyait qu'il n'a pas désigné 40 pains. Il a refait 40 pains. Il a rappelé 40 autres pains, que c'est eux leur korban Toda. Lokach. Pas Kadosh. Tara. Tara. Ouais. Deata. Et alors, Utnan Ekdesh Taout, Eno Ekdesh. Dans ma série Nazim, on a dit Ekdesh Taout, ce n'est pas Ekdesh. Belet Alami, Bezer Harze. Maintenant, le deuxième Nekuda, c'est quoi? Il n'y a pas Zer Harze. Comment ça? C'est quoi le cas de Zer Harze? Sheim Ifrish Arbaim, le Todato. Il a désigné 40 ans pour son Korban Toda. Veshahat Zeba Halem. Il a fait la Shrita du Korban. 50 ans. Mais Hazar lui fiche là, et encore sur le même problème, il a désigné 40 pains. Ouais, 40 autres pains. L'Okach. C'est pas Kadosh les 40 autres. C'est la Shrita qui est Mekadesh. Au moment de Shrita, il y avait les 40 premiers, c'est bon, les deuxièmes, ils sont, on s'en fiche. C'est Acharze et Nokoum. Rishat al-Shimonim de Vatahad. La question est la suivante. Pourquoi, quand tu fais la Shrita sur 80, est-ce qu'il y a dit 40 sont Kadosh, puisque je ne peux pas faire 40 après 40? Alors, même quand j'ai 80, même 40, parmi les 80, il ne doit pas y avoir, selon ton principe, toi là-bas. Voilà la couchée de l'Agmara. C'est pour l'Agmara. Mais, ha, itmarala. Mais, selon Mahlok, qu'est-ce qu'il y a entre Rabbi Yohanan et Chizkia? Il y a un enseignement de Rabbi Zera qui explique la Mahlok. Ha, itmarala. Amar Rabbi Zera. Tout le monde est d'accord que s'il a dit 40 parmi 80, c'est Kadosh. Ça marche. Parmi les 80 pas, il y a 40 qui sont Kadosh. Ça marche. D'accord ? Et s'il a dit, je ne veux pas que les 40 soient Kadosh que si les 80 ils sont Kadosh. Si les 80 ne sont pas Kadosh, les 40 ne sont pas Kadosh. Qu'est-ce qu'il dit ? Là, il le dit.
Eh bien, coulez à mal obligé de l'opach. Ce n'est pas kadosh, tant pis. Pas de discussion. La marloque est elle qui pliri. Distama. Il n'a rien dit. Mor, ça va la harayut tamikave. Qu'est-ce qu'il y a, il pense? Pourquoi il a fait 80 pains? Au cas où il en perd un, il prend de là. Donc, c'est la harayut. Oui. Et c'est sous condition qu'il les a amenés. Et quand ça s'est respiré, hein? On va le savoir, le korban gadol kamikawe. Et l'autre pense, Rabbi Yohanan pense, non, il voulait approcher un grand korban. D'accord? Rashi, mais Rabbi Yohanan savait le korban gadol kamikawe, mais alors, efcha. Possible? Le Torah a dit 40? Varbaim minay ou l'amri d'un dirkach. Et même 40 parmi elles, on va dire que non. Quoi? Maintenant, la même chose chez nous. Aval Gabé Jvita, au sujet de Jvita, qui a mal tahtao, mai aharayutika. Ici, il n'y a pas d'aharayut ici. Ouais, sous l'arbre. En sous l'arbre, il y a aharayut. Comme Hiskia, hein? Il y a aharayut. Mai aharayutika. Oh, va d'aller couler, c'est sûr qu'il a pensé à tout l'endroit. Venjvita, la bédalette et jvita, il n'y a que dans le 4. C'est pourquoi l'homme, les nains, les knoulés, bédalette, mais même 4, il ne fera pas. Donc, il n'y a pas de question sur Rabat. Ça, c'est la Sugia, Gmara, Rashi. Je fais tout saut là, au mort, ça va, parce qu'on est dedans, alors on fait celui-là. Omar Saval et Korban Gadol Michawel. Eksha Arab Ravenu Ephraim. Lama Lili Frouch et Tamad de Rabbi Yohanan Mishum del Korban Gadol Kamikawen. Pourquoi on était obligé d'expliquer à Rabbi Yohanan que la raison pour laquelle il a dit les 80 pains, ils ne sont pas du tout Kadosh, rien du tout, c'est parce que c'est Korban Gadol Kamikawen. Mais même sans ça, Chipoukle de Rabbi Yohanan, tu sais très bien que Rabbi Yohanan pense qu'il n'a pas Brira. D'où je sais ça? Parce que lui, il pense à Hin chez Halku, les frères qui sont partagés un héritage. Les Kouhoten, c'est comme des acheteurs. Pourquoi on se quitte à dire que c'est ça ta part et c'est ça la part de ton frère qui a dit. Donc, ils ont un ligne de les Kouhot, comme s'ils ont acheté. Quand ils se partagent, ils ont acheté chacun la part de. Ouais. Le père Merba. Donc, voilà ici, aussi, je ne sais pas lesquels 40, comme Enbrira. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà la question de. Rabbeinu Ephraim. C'est un peu dur parce que Rabbi Yohanan dit lo kachu, on dirait lo kachu klal. Et si c'est kachu, seulement, je ne sais pas c'est lesquels. Bon. Ça ne l'a pas dérangé, on dirait tout ça. Alors, Vermeri, d'accord, Ri répond à la question de Rabbeinu Ephraim. Delo shea ken brira. Mais Ari, tu n'as pas besoin d'être mévarer. Si tu veux être mévarer. Ouais. De l'Osrich et les Biruran, de Kach et Kolecha de Itano, Betarovatan, laisse là où ils sont Kadosh, et laisse les Tarovet, et mange tout. Les 80 pains, mange-les. Mm-hmm. Je n'ai pas besoin ici d'être mévarer les 40 pains. Il y a dit d'être mévarer les 40 pains, non. Donc il n'y a pas de problème. Donc c'est pourquoi, au niveau du dîme de Birur, oui, il n'y a pas de, il n'y a pas d'aïkouv. Pourquoi forcément, si Rabbi Yohanan a dit qu'il y a un problème, c'est parce que le korban gadol kamikawe. Ok, ça c'est la réponse de lui. Enfin, dit, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que vous savez que dans les 40 pains que les Béalim mangent, eh bien, pas que eux, hein, n'importe qui peut manger les 40 pains. Il y a un de, on a dit quatre sortes. Un de chaque sorte, 10, 10, 10, 10. Ouais, un de chaque sorte doit être donné au Kohen. Ouais, alors il faut que je. Il y a bien pris les 1, il y a bien. Mes valeurs, alors. Je reviens sur la réponderie. Il y a bien être mes valeurs. Veim Tomar, ouais, ça dit Rabba Mehen, Niten, la Kohen, les Trumat, l'Ahmet, Oda. Omeri, Diri. דאים אלה ודאי יכול להפריש ארבע מכל ארבעים ומכל ארבעים וארבעים.
Alors, Diri, il y a deux cas possibles. Ou bien les 40 pains, ils sont 40 à droite, 40 à gauche. Ouais. Bah alors, c'est pas ton problème. Tu n'as qu'à donner au Kohanim 4 des 40 à droite et 4 des 40 à gauche. C'est tout. Voilà. Pas besoin de mes valeurs. Et si tu me dis qu'ils sont tous mélangés, donne-en. Tu vas voir, tous les 80 ils sont mélangés. Alors, c'est vrai que tu vas me dire il y a 20 pains Hametz, il y a 20 pains Revucha, il y a 20 pains Kikin, il y a 20 pains. Alors, comment tu fais dans ce cas-là? Et dans ce cas-là, bon, c'est distinguer les minima. Hein. Tu vas devoir donner, tu donnes 11 au Cohen. Quand tu donnes 11, c'est obligé que tu aies donné un qui est dedans, qui est dans le, celui qui est. Donc, tu n'as pas besoin de faire un birour quand tu donnes 11. Donc, au Cohen, ouais, il y a combien de minimes? Il y a combien de minimes? Il y a 4 minimes. Dans chaque ligne, il y a 10. Maintenant, moi, je vais lui donner. Donc, dans chacun, si j'ai mélangé, il y a 20. Il y a 20. Il y a 20. 20 de semine, 20 de semine, 20 de semine, 20 de semine, n'est-ce pas? Voilà. Si je lui donne 11. Voilà. Au Cohen, je donne 11 au Cohen. Il aura mangé 10. Au pire, il a mangé 10 rollins et un de notre. Un qui doit avoir. Bon, c'est bon, alors, okay. Tout est bon. Je n'ai pas besoin d'avoir l'âme, je n'ai pas besoin de lui. C'est ça la réponse de lui. D'accord? Il faut être fort dans l'analyse mathématique, Rabbi, non? Ça veut dire que tu n'as pas bien compris quand tu me dis ça? Oui. Alors, je répète, très simple. On a 40 pains. Voilà. D'accord? Dans chaque pain, il y a 4 sortes de pains. Chaque sorte, elle a 10. D'accord. Moi, j'ai envie. Alors, je les ai mélangés maintenant. D'accord. Ils sont tous mélangés. Maintenant, c'est mon but. C'est quoi mon but? Je connais les minimes. Donc, j'ai combien? J'ai des groupes 20 pains galette, 20 pains massa, 20 pains revucha, 20 pains. Voilà. Bon. Okay. Là, je dois donner au Cohen pour être sûr qu'il en ait une qui est kadosh. Mon but, c'est une kirkadosh, oui. Ouais, je vais donner mais ça au Cohen. Combien je dois donner au Cohen par mine pour être sûr que de chaque mine, je vais donner une kirkadosh. Ouais. Comment oui. Je peux faire pour être sûr? Voilà, ok. Réponse, réponds-moi. Tu as dit qu'on prend 11. Je veux pas, moi, je t'ai dit 11. Moi, je t'ai dit tout ça, je dis là-dessus. Oui, 11. Oui. Alors, oui, oui, alors, quand c'est 11 maintenant. Pourquoi? 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 Parce que. Au pire, je lui ai donné 10 qui sont cholim et le 11e, il est kadosh. Ouais. Ah, le minimum, c'est par rapport aux sortes de pain ou aux sortes de cholim ou kadosh? Il y a 4, mais il y a. Out. Il y a 40 qui sont kadosh, il y a 40 qui ne sont pas kadosh. D'accord, ah. Ils sont mélangés maintenant. Ah, okay. On n'a pas besoin d'être mévarel quoi que ce soit. On lui donne 11 et c'est bon. Au pire, il y a 10 rollins et 1 kadosh. Voilà, ouais, ok. Sinon, okay. Il y a 5 rollins et 5 kadosh. Et dans le 5 kadosh, okay. Il y a 1 qui est pour le coin. C'est ok, bon, d'accord, d'accord, ok. Voilà. Ouais. Fin de cette Tosfot. Allez, on remonte un petit peu dans les Tosfot. Juste, il y a 2 Tosfot à faire. D'accord. Ce qu'on peut faire, on fait. Après, on fait la dernière soulia jusqu'en bas de la page. Je vais attacher. Shani ma'aser de'ite le hasayin de'i amal tikdosh palga de hiteta kacha. Ce soit qui rapporte le pirouche de la Chine. Par rapport au hittim. Voilà, il dit comment ça se fait que le parti du ba'alab de ba'alim elle est bonne, elle est metoukenet. Puisque Zé à Harzé, ça ne marche pas, Bevat à Haz, ça ne marche pas. Elle a répondu, c'est différent le Maaser, parce que je peux faire chaque Hita à sa moitié à l'Ikdusha. Je peux prélever 20 kilos, et les 20 kilos, il y a 8 Ikdusha de Maaser dans les 20 kilos. Chaque Hita, la moitié. Chani Maaser, dit il a Hassain, dit Amar Tikdosh Palga Palga de Hitita, Kachakide Pirej de Kontras, Chani Maaser, Alkol Gargir, Shebo, Hal, Hashem, לפי החשבון הראוי למעשר כגון יפריש אחד מחמישה, חודש חדש כל גרגיר חסיו, אבל גבי שביטה לקלם המלאכי די 400 כי עד די בעין. פה,
Ça, c'est Pirosh Rashi. Au mieux caché, soit tu dis, j'ai quand même un kushia. Ah, des parir. Veha maaser bema delete la hasayim. Qui était, quoi? Qui était la virgule, quoi? Qui était la hasayim? Nami tchile. Amai asiri wa hadasar meoravin zebaze. Qui mitam hasayim, loyera uliot maaser rak. Haïsi, Shelkol et Had, Vehad, qui m'a dit Maaser de Gan, qui est le contraste. Reprend. C'est quoi la prochaine que tu sautes là? Quand la Gemara a posé la question, elle dit, mais dis-moi, mais Maaser, Bema, lui, il était la Hassaïm. Alors, je ne comprends pas comment ça se fait que quand il dit, c'est le monde, ils sont sortis en même temps. Alors, il y a Maaser et Asiri, Vehad, Asim, Aravin, Zébazé. Ouais, tu te dis, c'est bon, c'est bon. Je dirais que la question que tu la poses, parce que Maaser Bema l'était la Hassein. Mais même si Maaser Bema était la Hassein, tu peux poser la question quand même. Si Maaser Bema était la Hassein, était la Hassein, alors j'aurais dû dire que quand le 10 et le 11 ils sortent en même temps, ouais. Chaque Bema, Hassi Bema, les Kadosh, l'autre non. Et ça, c'est pas Asiri Vahad Asar Mehoravin. Quand tu dis Asiri Vahad Asar Mehoravin, ça veut dire qu'il y a une qui est Asiri Mamash et l'autre non. Ouais, non, non. Non, c'est pas, même ça, c'est pas vrai. Alors, c'est chaque bête, comme Rachid l'a dit dans le Maaser, chaque bête, elle est à moitié... Kodesh. Kodesh, Maaser, moitié Kodesh Maaser. Même ta phrase, Asiri vahad Asar mi'oravin, oui, comme la mâche maout, c'est un, il est Asiri mamash, et l'autre, il est Ahad Asar mamash, elle ne marche pas non plus, même si tu dis, il était la Hassein. Or, de la machma ou de la gma, c'est machma. D'accord. Parce que là-bas, elle dit. Parce que la passion qu'elle dit, ah, Siri, il y a Kodesh. D'accord. Et par contre, la hita, c'est ma Asir. Il n'y a pas Asirit. C'est ça. Est-ce que c'est ça la difficulté? Je répète la difficulté, après je répète ta phrase. La question de Tosfot, elle est. De la gma, c'est machma. Parce que l'été. Que je te pose la question. Voilà. En disant, si it est la Hassaïn, j'aurais compris le dîme de Rabat. Voilà. Mais même si it est la Hassaïn, je n'aurais pas compris le dîme de Rabat. Parce que si voilà. It est la Hassaïn, chaque bête, elle doit être à moitié Kadosh. Or, Rabat nous a dit, il y a une bêma qui est Boucha entière et l'autre bêma n'est pas Boucha. Voilà. Mais on ne sait pas laquelle. Voilà la question de ce. D'accord. Dans les mots, on met au cachet. A des paris, ma serbema de l'été la Hassaïn, ça me dérange. Qui était la Hassaïn, n'aimait que chez les. Amaï Asiri, ma Hadassim, ma Ravine. Zébazé, ça veut dire un entièrement Kodesh et l'autre non. Mais ils sont mélangés. Qui mitam Hassaïn, loyer ou liot ma serrak, hessi chez le collé Hadou et Had. Et ça, ça ne s'appelle pas ma Ravine, ça. Ouais, que moi, ma serdagat, comme je l'ai expliqué. Voilà la question de tout ça. Fais chlomar. C'est vrai. Si on avait dit j'aurais aussi une coucha, mais j'aurais pas eu cette coucha là. J'aurais posé une autre question. Mais Rabba, pourquoi tu dis que celle-là elle est kadosh et celle-là elle n'est pas kadosh? Chaque bema elle aurait une moitié de coucha. C'est ça la question que j'aurais posée à Rabba. Mais comme akom achpircha de paris chamaish neem kadoshim. Mais j'aurais pas posé la question que moi j'ai envie de poser, mais pourquoi Bichlal il y a une Kusha? C'est vrai que le djinn de Rabat, je vais pas le comprendre. Mais il y a deux manières de pas comprendre. Rabat t'a dit, il y a une Kadosh, une pas Kadosh. Ah, je te comprends pas. La moitié de chaque Bema doit être Kadosh. Il y a une deuxième question. Aucune Bema est Kadosh. Ça, c'est la question de la Gemara. Pour que je pose la question, il faut que je dise. Elle est plus forte, elle est plus forte. L'été. Et donc, dans ce cas-là, j'ai une couchée, quand les cas, l'Akdoucha ne doit pas y avoir. Si je dis, l'été, le Hassein. Wow. Donc, si tu as dit, le Hassein, j'aurais une couchée tout là-bas, différente. Et moi, j'ai une couchée, il n'y a pas du tout d'Akdoucha. Parce que quand je suis baisé, Hassein, non, ouais, c'est le Bataha, non, eh bien, ça, il faut que je dise, et l'été, le Hassein. Oudri, Nira, le Farej, mais pas tout. La Kavana, quand tu sois du rapporterie, c'est soi-disant, lui, il va donner un autre pirouche à la Gemara et je n'aurai pas la question que tu as posée sur à partir de Maaser. D'accord?
Donc, je n'ai pas fait ce travail-là. On va juste. Après, il faut réfléchir. Mais tu vois, Marshall, il parle sur ça. Mais je n'ai pas eu le temps de creuser cette Nekouda-là. Il faut bien que je vous laisse un peu travailler, non? Vraiment, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas comment tu fais d'ailleurs. Alors, hein? Je sais pas comment tu fais, toi, Blanara, mais je ne sais Je pas vraiment. prépare. Odorin ira le faresh, il pense expliquer de la manière suivante. Quand la Gemara a dit Shani Maaser de Ite la Hasaïn, c'est différent le Maaser parce que Ite la Hasaïn, Maaser Ite la Hasaïn, donc La là, hita, la hita. Rachid a expliqué Hita chaque Hita, Moche, Moche, ouais. Oui. Alors, lui, Ri explique autrement. Pirouche. Alors que Rachid a dit les 20 kilos chaque Hita à moitié, les 20 kilos chaque Hita à moitié. Non, non, ne me dis pas comme ça. Quand on dit Itil Hassain, c'est Zéacharzé. Pirouche. Bézéacharzé. Pas comme Rachid. C'est-à-dire, si par exemple il a 10 CA. Ouais, 10 CA. Le Maaser, c'est une CA. C'est insert. Chez Imamar, CA Ahat. Ouais, il faut pas qu'on le bat. Chez Imamar, CA Ahatze. Il a pris une CA. Il a dit chaque Hita, la moitié, elle est Maaser. Mais Hakak, il a pris la deuxième. Un deuxième CA. En tout, il a pris deux CA. Il a dit chaque Hita, la moitié de chaque Hita, Maaser. Donc, en tout, il a pris combien de maaser? Une CA de maaser, il a pris en tout. D'accord? Ça marche. Alors, J'ai pas compris. ah, j'ai pas compris. Oh, je recommence. Si lui, il a 10 CA, il doit prélever une CA de maaser, n'est-ce pas? Voilà. Très bien. Maintenant, lui, il a pris une CA et il a dit, la moitié de chaque grain, c'est maaser. En fait, il a pris un demi CA donc, de maaser. Oui. Après, il a pris une deuxième CA. Et il a dit, la moitié de chaque grain, maaser. Donc, en tout, Quelle il est a la pris. différence entre ça et ce qu'on a dit avant? Tout à l'heure, on a dit, il prend 20, 2 CA, et il dit, ça, c'est maaser. Ça, c'est Rachi. Il dit, chaque rita, c'est possible que chaque rita, la moitié de chaque rita, elle est maaser. Et bien, voilà pourquoi les 20, ils sont maaser. En fait, c'est chaque rita qui est moitié de maaser. Oui, Il y a une c'est vrai. possibilité de prendre 20, il y a Maaser là-dedans. D'accord? OK. Maintenant, Rik, il s'est passé à la Kavala de la Gemara quand elle a dit Shani Maaser de Ite la Hasaïn. Quoi, Ite la Hasaïn? Si je prends une CA et je dis que chaque grain, sa moitié, c'est Maaser. OK. Après, je prends une autre et chaque grain, sa moitié, c'est Maaser. J'ai pris combien de maaser? Ouais. Une CA de CA. maaser. Une CA de Oui. maaser, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je reprends dans les mots maintenant. Acha, Shani, maaser de Itel Hassein. Pirouche. Bezé, Acharze. Sheim, Amar, CA, Hat, maaser. Kol Hassim, Hita, Hita, Vahar, Gamar, Gamken. Bezé, Acharze. Ouais. Hal maaser bishtehen. Ça marche. Les mirsat, dans les deux. Vekiwan de ite la hasayin beze aharze. Gam bevatahat yeshna liyot hal maaser al se ahat ou aharet yeteve. Et puisque beze aharze, de cette manière-là, ça marche, alors c'est la raison pour laquelle, même quand il prend tout d'un bloc, bevatahat, alors, il y aura une partie qui va être oui, Maaser, et l'autre, TV. D'accord. C'est quoi le Nidon, en fait, ici? C'est ce qu'on cherche, là. Rashi et Tosfot veulent expliquer c'est quoi la Kavana de la Gemara. La Gemara, elle a dit, Shani Maaser dit la Hasaïn. Puisque il était la Hasaïn, alors, c'est pourquoi, Bevatahat, ça va marcher. C'est quoi le mot, il était la Hasaïn? Rashi l'a expliqué, Hasaïn, quand tu prends 20, tu peux que la moitié de chaque grain. Je dis non. C'est quoi? Il était la Hassan. Puisque Zé Harzé la Hassan, ça marche. Alors c'est pourquoi, ça va marcher.
Clara, moi, je vais essayer de comprendre parce que là, je veux. Quand elle a pris 20, c'est 1. Normalement, il y a, normalement. 20 kilos, 22 CA, comme tu veux. Bon, peu importe, si c'est 10, c'est 2. C'est si 10. C'est 100, c'est 20. Rien. Bon, supposons qu'il avait 10 kilos, donc il doit faire 1 kilo de maaser. Il prend 1 kilo, n'est-ce pas? Juste. Alors maintenant, lui, quand il a pris, quand il y avait, quand il a pris 2 kilos, quand il a pris 2 kilos, voilà, il a pris 2 kilos. Alors, on ne sait pas c'est quel est le kilo qui est maaser réellement, n'est-ce pas? D'accord. Quand il a pris 2 kilos à la place d'un kilo, c'est ça. Alors, on ne sait pas quel est le kilo qui est vraiment maaser. Alors, on va dire, tu sais quoi? Chaque mersa de Et ça. là, juste une petite parenthèse, pire que ça, puisqu'il est en train de faire maintenant 2 kilos par rapport à 8 kilos, en fait, le maaser, il est sur les 8 kilos. D'accord? Et c'est pourquoi le reste, c'est du thé. Vas-y, c'est une parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais Ok. maintenant. Bon, supposons maintenant, je considère. Bon, donc, dans ces 10 kilos, 2 kilos, normalement, j'aurais dû prendre 1 kilo. C'est ça le maaser. Il me reste 9. Juste. Le 9, c'est Holine, c'est bon. Un des maasers, il va aller chez je ne sais pas qui. Ok. Maintenant, moi, au lieu de prendre 1 kilo, j'ai pris 2 kilos. Tu dis, hein, dans ces 2 kilos-là, il y a 1 kilo de maaser. Parce que je veux dire, si je prends Mersa, chaque état Mersa, donc Il y il y a a du 10 kilos. maaser dedans. 20 kilos, Il il y y a a du du maaser maaser dedans. dedans. Et Voilà, donc, je ne alors comprends pas maintenant, pourquoi il y comme. a du maaser dedans. La question là-bas, c'est que je ne comprends pas pourquoi il y a du maaser dedans. Si tu dis Ah, kasher, ça ne marche pas. ok, Pourquoi ça ne marche pas? d'accord, mais maintenant, quand tu me dis il y a du maaser dedans, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ok, c'est vrai. D'accord, Mais. qu'est-ce que tu dois faire? Je m'en fiche, ça, ce n'est pas mon problème. Ah. La Gemara n'a pas discuté. Il y a un tiroun, les fruits, ils sont mekoulkalim, ils sont mekoulkalim, débrouille-toi, comment il faut les réparer. Ah, C'est la ah, Gemara n'a pas ah. discuté ça. La Gemara juste les dana. Normalement, il ne doit pas y avoir du tout Shem Maaser dedans. Et s'il n'y a pas Shem Maaser, même tes perrottes à toi, ils sont pas metokanim. Ça s'arrête. La Gemara répond non. Puisque la Hasaïn, c'est possible qu'il y ait dans ces Maaser. Ouais, il peut y avoir la C'est-à-dire, Hasaïn. C'est pourquoi ici, il peut y avoir le Maaser. D'accord? ok, Voilà la pour que réponse. je Maintenant, puisse comment j'explique comprendre. le mot la Hasaïn? Il y a le D'accord. derrière de la Chine et il y a le derrière de Ali. Mais je Ok, répète, juste Gemara. j'ai compris une minute. Mais. Donc, surtout ce qui m'intéresse, ce qu'il reste, ce que j'ai pris. Bon, ça c'est un problème, c'est vrai, ils sont mes colcalis, je ne sais pas. Mais au moins, je sais ce qu'il me restait, je peux Voilà. manger. Ouais, exactement. D'accord? Si Ok. ça ne marche pas, ce que tu as prélevé, même ce que tu as été soi-disant métaphène, ce n'est pas métocrine, parce que tu n'as rien Voilà, c'est prélevé. pas mais ils sont courts. Voilà. Voilà. Azak, ok. D'accord. Allez, maintenant, tout saute d'après, Bamar Abba. Donc, dernier tout saute pour aujourd'hui. Bamar Abba, Yasu, Shnaï, Baasiri, Verhul. D'accord? Donc, on a vu, l'Agmara a posé la question. On a dit, si le 10 il est sorti, on appelle Asili. Et si le 11 il est sorti, et on l'a appelé aussi Asili, le 11 est nos clous. Alors si le 10 et le 11 sont Rabba nous a dit, il y a un qui est Kadosh, l'autre non. Et la Gemara pose la question, mais zéro, aucun ne doit être Kadosh. Zéro doit être Kadosh. Ça c'est la question de la Gemara. D'accord? Rabba, etc. Et là c'était votre question à vous de tout à l'heure. Dilma, Atam, Mishum, ça veut dire, c'est quoi la question? Arrêtez d'embêter Rabba. La question, c'est arrêtez d'embêter Rabba. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Rabba? Il t'a dit, il y a un qui est 10 Kadosh. Ben oui, mais c'est normal qu'il y ait un qui est Kadosh. Parce que même si s'ils sont sortis Bevatahad, moi, tu crois Bevatahad. Mais en fait, il y a un qui est sur Kadosh. Quand il a dit 10, alors qu'il est sorti le 10e, il y a un mamash qui est kadosh et l'autre non. D'accord? Donc, voilà pourquoi hein, il y a un qui est 8 kadosh. Parce que Yves, Charles Samse.
arrêtez de l'embêter. Oui, tu m'as dit, ma ta maïno ta mamie chum de chalezem sem, ve hadja sat yahila, ve va filou belo kriat shem, ou akadosh. Même s'il est sorti sans qu'on l'appelle dit, c'est kadosh, comme on voit dans Prorot. Asiri, mais là, vous kadosh. Quoi? Ah, il ne faut pas. Il ne faut pas qu'il fasse un signe. Il faut pas qu'il fasse un signe. Ça, c'est un détail pour le reconnaître. Ah. C'est pas bon, je parle. Avec le, ouais, la coloration rouge. Ouais. Ça, c'est pour le reconnaître, c'est tout. Mais le dixième qui sort, il est kadosh. D'accord. Alors, même si tu ne l'appelles pas. Veyesh Lomar. Donc, ce soir, ils vont donner deux réponses à ça. On va essayer d'expliquer déjà la première, on verra la deuxième. Veyesh Lomar. D'Alkorher Savar Rabba de Efshar et Samsem. Non, non, non. Rabba, il pense Efshar et Samsem. Pourquoi? Jésus Shneb Batara. D'I I Efshar et Samsem. Parce que si Vehemet, il pensait I Efshar et Samsem, et donc Vehad Yasset Hila, Imken, Avele le Memar, Asiri Vehulin, Meoravin Zebazé. Ah? Il aurait dû dire Asiri Vehulin, Meoravin Zebazé. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Ah, qu'est-ce qu'il a dit lui? Asiri, tu n'aurais pas dû dire Asiri, tu aurais dû dire Asiri, parce que mon ami, Yves Charles Samsem, c'est sûr qu'il y a un qui est 10 et l'autre c'est le 11, c'est tout. Ouais. 10, c'est le 11, c'est Holi. Alors tu aurais dû dire Asiri, Vecholim, d'affilé à sa série bichtika, d'accord, il y a sa hadassar, le kalalo à série, et la hadassar kadosh klal. Même si le 10, quand j'ai sorti, il n'a pas appelé 9, il n'a pas dit, il n'a pas dit un mot. Ouais. Le 11, il sort en tant que 10, quand même, le 10, il est kadosh, et le 11 clou. Et alors, il n'y a qu'à chama sim men. D'accord, il n'a pas appelé 9, il y a sa bichtika, il s'appelle 10, vezéo. Le prochain, ça va être rien du tout. Tu aurais dû dire plutôt Asiri, pas Asiri. Oui, Asiri Vecholi, pardon, mais on le disait. Et pas Asiri Vahadassar, mais on le disait. Si tu dis Asiri Vahadassar, c'est parce que tu penses que Efchar, les deux, ils peuvent sortir en même temps. Ils peuvent être sûrs. Ouais. Réponse numéro 2. Donc, reprenons la question, c'est quoi? La question de départ, c'est quoi? L'heure à l'âme, c'est possible. Ici, il te dit que le Asiri, il est Kadosh. Même si Bevatahad, normalement, ça ne marche pas. Ici, oui, ça marche parce qu'il y a Efshar Samsem. Alors, il y a Shlomo, d'affirmer savoir Efshar Samsem, qui van de en yachol le akir eze, yassa, kodem la havero. Puis, il ne reconnaît pas lequel est sorti en premier. Mais on fait brira alors. Venit kawen le krot shnehem. Papa, brira. Comment je vais faire brira? Comment pourquoi si Brira, on ne sait pas, on ne sait pas. Qui c'est tu ne sais pas. Non, il y a un qui est Tserichon, elle dit, si cela il est Tserichon. Attends, Amos, avant ta proposition, viens, on essaie de comprendre déjà la réponse de toute façon. Ok. Tu dis ce que tu penses. Mais on dit, Shlomar, il y a un philosophe qui est Tserichon, qui va dire, il y a un philosophe qui est Tserichon, puisque tu ne reconnais pas lequel est sorti. Venit kawen nikrot shnehem asiri. Et tu avais l'intention d'appeler les deux qui sortent Asiri. Ouais, Kawen, Nikrot, Shneem, Asiri. Katsu, Tarwayu. Les deux, ils sont Kadosh. Velo, Dami, Lekaral, Asiri, Asiri. Vela, Hadassar, Asiri. Et c'est pas la même chose que le cas où il a appelé le 10, 10, et le 11, il a appelé 10, qu'on a dit que le 11, c'est rien du tout. Et ici, on n'est pas marché sur le premier, c'est-à-dire le premier qui est sorti. Parce que le premier qui est sorti, je peux te dire, l'alam, il est kadosh parce que, pas un brira, mahila, parce que Yefchal et Samsem. Mais comme toi, tu ne reconnais pas, quand tu l'as appelé 10, le 11, tu l'as appelé 10. C'est-à-dire que tu as donné au 11 une kdusha. L'action, elle est pourquoi le 11, il est une kdusha? La question, elle n'est pas pourquoi le 10, il a une kdusha, comme la question qu'on a compris depuis le début. Si tu n'as rien fait. C'est pas comme ça la question. C'est pas pourquoi le 10, parce que je peux expliquer pourquoi le 10, il a une kdusha, parce que
IF Charles Samsem, c'est sûr qu'il y a eu un 10 quelque part ici. D'accord ? Mais la question, elle est pourquoi le 11, il aurait une quelconque Kudusha, oui, à cause de son Dibourg, qu'il a appelé le 11-10. Et ce n'est pas comme le cas, le 10 il appelait 10 et le 11, après que le 10 est sorti, le 11 il appelait 10. Là-bas tu reconnais, le 10 est sorti, puis le 11 il est sorti. Mais ici les deux ils sont sortis en même temps. D'accord ? Donc encore une fois dans les mots. Je ne sais pas distinguer lequel est sorti. Le premier, je sais que lui, qui est Charles Samsem. Le deuxième, tu as dit oui, le Kadosh. Et ce n'est pas comme le cas, le 10, il est sorti 10, et le 11, il est sorti. Tu l'appelles 10. Attends une seconde. Et la question de la Gemara, elle est pourquoi il a une Kdusha quelconque ? Il ne devrait pas avoir une Kdusha. Pourquoi une Kdusha Mohamed Iboulou, il ne devrait pas avoir une Kdusha ? Verichon, il a dit, et tu sois, disent quand même, le premier Pérouche, il me semble essentiel. Vas-y, Amos. Oui, c'est-à-dire, même si tu dis et Shalit Samsem, c'est-à-dire qu'il y a un au moins qui était l'inséré, voilà. Malgré cela, même que tu dis qu'il y a au moins qui est inséré, parce qu'il y a un qui est sorti le premier, c'est sûr et certain, et c'est ça l'inséré. Mm-hmm. Et l'autre, il est sorti le 11e, d'accord ? Même si c'est ça, tu ne peux pas. Comme tu ne reconnais pas, tu mets qu'à mettre les appels les 2-10. Ah, parce qu'à cause de l'appellation, à cause de la série. À cause de l'appellation. Voilà. Mais qu'il y a, s'il n'y avait pas l'appellation, c'est vrai, il y a 10e, il était Kodesh. De toute façon, moi je veux un 10e. Alors il y avait Asarak, c'est voilà le 10e. Mais sans que j'appelle vers Asari Kodesh. Sans que je dois appeler à Asri Yerkoz, ça c'est le 10e. Si je ne l'appelle pas, Si tu ne l'appelles pas, ce n'est pas grave. Et si le Hidouche, il est le 11e, tu l'appelles 10, donc il a une Kdusha. Pas comme dans le cas, mais pourquoi il a une Kdusha ? Parce qu'ici, tu ne sais pas lequel il est sorti. Et tu crois qu'il est aussi 10, lui. D'accord ? Tu ne sais pas lequel. Et à cause de ta parole, les Kadosh, la question pourquoi il doit être Kadosh, il ne doit pas être Kadosh. Voilà. Ça ne marche pas, même si ta race ne doit pas marcher. Et d'accord. Alors là, j'accepte qu'il y a un qui est Kadosh, parce que voilà la réponse de Tosfot. Allez, maintenant on fait l'Agmara jusqu'à la fin du Amoud. Non Amoud Sheni, Amar Abaye. Non Amoud Sheni, on a tout un Amoud alors à faire. Ah ouais, mais c'est pas long, ça va pas être très long. Ok. Amar Abaye. Lochanu ela beilan shitartav yudbet amma. Aval beilan shitartav yudbet amma. Are miksat beto nikar. Quand on a dit, quand Rav il a dit, lo amar klum le bonhomme, ouais, parce qu'il il a pas désigné. On parle d'un arbre qu'en dessous de lui il y a 12 amot. Aval Beilan She'en Tarta Yud Batama. Là, parce que maintenant, il n'a pas 12 amas, il a moins, il a 11 amas, par exemple. Are Mirsat Beto Nikar. Il y a une partie de sa maison qui est reconnaissable. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette histoire-là ? Alors, Rachid l'explique d'une manière, on peut expliquer ça de deux manières différentes. Rachid explique quand il y a 12, alors on ne sait pas, les 4. Ça peut être 4 au milieu, 4 en nord, 4 au sud. OK ? Donc, monsieur, mon ami, on ne sait pas. C'est... Mais si maintenant, tu as 11 amotes, l'arbre, il fait 11 amotes. Oui ? Alors, quand il y a 11 amotes, dit Rashi, il y a 4 amotes qui sont au milieu, ils vont toucher ta demeure, les 4 amotes, les 4 du milieu. Si toi, t'es 4, c'est les 4 du milieu, mais tant mieux. Si les 4, c'est celle qu'on a, il y a une amas qui touche, tu vois, il y a 11 amas. Ouais, si tu as pris les 4 du milieu, il n'y a pas une amas, mais il y a un petit peu qui va toucher les 4 du milieu. Et si c'est les 4 du sud, il y a un petit peu de 4 du milieu qui vont toucher. Donc ça, c'est une façon d'expliquer. D'accord ?
On aurait pu aussi expliquer que dans ce cas-là, choisis-lui les quatre du milieu. Rashi, ce n'est pas ça son délire, on dirait. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il fait un clomard un peu plus tard, on dirait. Donc, Rashi dit, le délire de Rashi, Yesh lecha livror shi'ol shvita betoch yud alef alalu, shal korher miksat beto betocha. Il y a quatre amot ici, que c'est sûr que ta maison, elle est dedans. Ou les quatre du milieu, ou les quatre en haut. Il y aura une partie de ces quatre amotes-là. Oui. Shal korher miksat beto betocham. Vous avez compris le point ici. Hein. Il y a quatre amotes. Je n'ai pas dit que c'est quatre amotes que lui a choisi. Il y a quatre amotes. Là où tu as choisi, toi, tes quatre amotes, eh bien, il y aura un peu de ces quatre amotes-là. Ouais. Ces quatre amotes qui sont au milieu, si ta vital était eux-mêmes, tant mieux. Chapitre. Vei bedaigisa ou bedaigisa, si c'est du bas, nord ou sud, alors c'est pas grave. Are hasi ama me elu, une moitié de ama, ou de là, qui sont dans les quatre du milieu. Le kachawe si yuma l'ikhdot beto. Bait. Bon, cependant, toujours, il y a le problème, comme on l'a dit, mina safon, mina dalom, etc. Ça, c'est un détail. Donc, ça, c'est une première façon d'expliquer la Gemara. Une deuxième façon d'expliquer la Gemara, ce serait de dire. Choisis-lui les quatre du milieu. D'accord ? Quand il y a 11, choisis-lui les quatre du milieu. Que ces quatre du milieu, c'est sûr que, quelle que soit la Jvita, hein, il y aura les quatre du milieu, ils vont toucher. Que ce soit en haut, que ce soit en bas, les quatre du milieu, elles ont une part là-dedans. D'accord ? Donc, c'est la Kavna du Ritba, là-bas. Alors, Matrifla, Ravuna, Vredra, Yoshua. Objection. Mais Maïde, Be'arba'em, Si'ata, Kamesayem. Donc, ces mots-là, selon Rashi, on ne comprend pas très bien. Je n'ai jamais désigné les quatre du milieu. Je dis que dans les quatre du milieu, là où tu as ta juita, voilà. Et c'est peut-être pour ça que Rashi dit Kloma. Qui te doute a sorti ces quatre du milieu, là? Ouais. Quelle importance ils ont? Qui t'a dit d'où tu les as choisis? Ariyesh Lomar, bon, ok, c'est possible. Ariyesh Lomar, Deaïkisa Baharle. Bon. Donc là-bas, Ravuna, pardon, il pose la question. Il dit, mais maïde b'arba'im siata kam saye. Selon le deuxième pirouche, ça va sortir. Pourquoi tu choisis ce du milieu? Tu as décidé que les cas du milieu, c'est ça, Sajita. Ce sera ça le pirouche. D'accord. Mais maïde b'arba'im siata, qui t'a donné le droit de faire ça? Alors que selon le premier pirouche, ce n'est pas ça la kavana. Lui, Sajita, je ne sais pas aller où. Mais il y a quatre du milieu. Qu'est-ce qu'ils ont de quatre? Tout a sorti ces quatre du milieu, là. Ouais, qui sont Kshurim, Tajvita, là où elle est. D'où ils sortent, là? Bon, Dilma, Barbeï, Daïgisa, Barbeï, Daïgisa, comme ça y est. Et là, Amar, Abuna, Berezabeshua, Lochanou, Ella, Beilan, Chetartao, Shmona, Amot. Ce que Raf a dit, que l'Omar Kloum, c'est-à-dire qu'il n'a aucune Jvita. Eh bien, c'est lorsque l'arbre il fait 8 amot ou plus, comme on va dire. Aval, Beilan, Chitarta, Osheva, Amot. Si l'arbre il a une longueur de 7 amot, on va dire longueur de 7, largeur de 4, ouais. 7 amot. Are, Muxat, Betonika. Dans ce cas-là, il a une Jivita. Il n'a rien à dire, on va être marmire comme on l'a fait avec Shmuel, oui. Mais il a une Jivita. Parce que là où il va faire ses 4 amot, où tu veux, il y a une partie. Il y aura dans ces quatre... de sa maison. Il y aura une partie de ces quatre amotes, il y aura bien sa Jivita. Donc ça nous suffit et il aura effectivement une Jivita. Maintenant, la Gemara, elle va amener une Baraita comme Rav. Elle va être marcha sur Shmuel. Shmuel va se défendre. Puis elle va amener une Baraita comme Shmuel. Elle va être marcha sur Rav et Rav il va répondre. Et la Gemara va répondre Rav Tanaou Palik. Voilà jusqu'à la fin du Rav. On y va. Tanya Kawate de Rav, Tanya Kawate de Shmuel. Tanya Kawate de Rav, Mish Babad de Rechou Hashalo. Celui qui était dans la route et la nuit elle tombe. Vaya Makir Ilano Gader. Il reconnaissait un arbre ou une barrière en pierre. Vaya Majvita Jitarta. Et il a dit Majvita est en dessous de l'arbre. Lo Amar Kloum.
Ah non, ok, le Amar Kloum, on ne sait pas ce que ça veut dire. Même le Tanel a dit le Amar Kloum. D'où tu sais que le Lo Amar Kloum veut dire il ne bouge pas de son endroit. On verra ça dans la fin de la Braïta. Quelle aurait été une autre explication de l'Amar Kloum? Lo Amar Kloum, je pourrais l'expliquer. Lo Amar Kloum, les bétaux. D'accord, hein? Ah, oui. Lo Amar Kloum, les bétaux, je pourrais l'expliquer. Oui, oui. Et si l'Omar Kloum, on va expliquer par la suite. Même le Dana, il a dit l'Omar Kloum, il a dit, c'est pas moi, l'Omar Kloum, il a dit, c'est pas moi, l'Omar Kloum. D'accord. Avali Mamar, Shvita Tibim Komploni. Mais s'il a précisé l'endroit, Shvita Tibim Komploni, mais Alech, Hachimagi Al-Otomakom, il peut aller jusqu'à cet endroit-là. Et Gi Al-Otomakom, quand il arrive à cet endroit-là, donc à Mouvan, c'est à Mouvan de 2000 à Mouvan, quand il arrive à cet endroit-là, Gi Al-Otomakom, mais Alech, et Kolo, Vachusalo, Al-Paim Mamar. Il peut aller dans tout l'endroit qu'il a désigné. On verra que tout l'endroit est considéré comme quatre amotes. D'accord ? On va voir de quel endroit on parle tout de suite après. Oui. Et il peut après marcher 2000 amotes de chaque côté de cet endroit-là. Ok. Moi, je parle d'un endroit précis. Voilà, Kavana, d'un endroit précis. Kegon, chez Shavat, Betel, chez Ogavo, Asalat, Fahim, Veu, Middal et Tamot, Madbet Sataim. Par exemple. L'idée que sa shvita soit dans un monticule qui est grand de 4 amotes jusqu'à sa taille, bête sa taille, c'est-à-dire 100 amotes sur 50 amotes, que tout cet endroit-là il est considéré comme 4 amotes. Moins de 4 amotes, ça ne sert à rien de parler puisque tu as 4 amotes. Plus que bête sa taille, ce n'est pas bon non plus. Pourquoi? C'est trop grand. Dans ce cas-là, là, ta shvita, elle va avoir un problème. Il faut que tu voilà. Désignes précisément l'endroit et tu n'auras que 4 amotes. Et même à l'intérieur du guéder, ça va être, les 2000 amotes seront déjà comptabilisés. D'accord. Donc, Egot Shabbat Betel, si vous avez un salat, vous avez un midat amot à Betsataim, ou bien Bika, Vechem Bika, chez Amoka, c'est la qui est profonde de Dieu 10, Vechem midat amot à Betsataim. Aval Bemakom Shen Mesuyam, En Lo, El Adal et Amot. Mais un endroit qui n'est pas Mesuyam, oui. Voilà un endroit. Alors, Rashi dit, regardez. Avamakom chez Enomesuyam, Klomar. Pourquoi j'ai réussi Klomar ici? Parce que l'endroit où il est désigné, chez Enkulo Reshut Ahat, chez le Daletamot, Kigon, chez Enomechisot. Par exemple, c'est un endroit qui n'a pas de Mechisot. Ou bien, il a dépassé les bêtes Satayim. C'est ça la Kavana Enomesuyam. D'accord? Avamakom chez Enomesuyam, Enlo, Ella Daletamot. Comme le mot Mesuyam, on l'a changé, donc c'est pour ça que je l'ai dit Klomar. Elo, Ela, Dalet, Amot. On a une petite parenthèse. Ayou, Shnaim, Shnaim. Il y a deux personnes qui marchaient dans la route, ensemble. Et Had Makir, Ven, Had Sheno Makir. Il y a un qui connaît un arbre, mais l'autre qui ne connaît pas l'arbre. Oui. Zé Sheno Makir, Moussel, je vais te donner Makir. Celui qui ne connaît pas, il peut transmettre sa Jvita à celui qui connaît. Gorhidouche. Va Makir, Omer, Jvita Ten, Obemchom Plouni. Elle peut. Jvita Ten, Obemchom Plouni. Il peut dire ça. Je vais à moi et à lui, et ça marche. Mm-hmm. Voilà, on ferme la parenthèse. Bam et dvarim amourim, maintenant on revient. Bam et dvarim amourim. Mais il faut qu'il fasse mettre sa sirouda là-bas. Non, non, avec ses pieds ici, avec une sirouda, il est dans la route, ma petite homme. Bam et dvarim amourim. Dans quel cas on parle? Quand on a dit que Enome Suyam, il est connu Jvita au moins 4 amotes, oui? Quoi on parle? Bah mes dvarim amourim que chez siyem, ouais. Que chez siyem d'aletamot chez kava. Aval lo siyem d'aletamot chez kava. Lo y a zouz mimepomo. Dans un endroit ouvert, un endroit plus grand que que Beth Sataim. Il faut qu'il désigne précisément l'endroit qu'il veut, ces quatre amot, d'accord? Dans ce cas-là, oui, c'est bon. D'accord, même si c'est plus grand que ça. Même s'il y a Mechitsot plus grande que ça. Il y a plus qu'un, hein, il faut qu'il désigne le côté droit, le côté gauche, le côté là-bas, j'en sais rien. Il faut qu'il désigne ces quatre amotes, parce que dans ce cas-là, il n'y aura que quatre amotes, quand c'est plus que Beth Sataim. Il faut qu'il désigne. Mais sinon, s'il n'a pas désigné, Avalos, s'il y a, là, les amotes. Je ne peux pas dire que mon endroit, c'est dans cet endroit-là. Voilà, une fois d'endroit. Si c'était que jusqu'à Beth Sataim, ça, c'est bon, parce que le Beth Sataim, bon. Ça s'appelle quatre amotes. Voilà. Si tu as dépassé ça, donc tes quatre amotes, c'est toi-même. Il faut préciser à l'intérieur. Voilà. Donc sinon, il osiem dans l'état mode chez Kava, lo yazuz mimekomo.
il ne pourra même pas bouger de sa place. Donc voilà la preuve, comme Rav. D'abord, la Gemara l'a dit, avec tu as fait des Shmuel. Peut-être on a une question ici contre Shmuel alors. On va essayer de résumer le comment. Amalekha Shmuel, Khabima Eskinan, Kigon Dikam, Makom Ragla, Wadikaro, Tre, Alfe, Verba, Garmide. Ça veut dire, la question elle est, pourquoi ici j'ai besoin que tu sois messager? Shmuel te dit, tu sais pourquoi? Parce que de là où tu es jusqu'à l'arbre, il y a 2000 amotes et 4, 2000 amotes plus 4 amotes. Ah. Ouais. Et donc, le côté de l'arbre qui est du côté de ta maison, alors de l'autre côté, ouais. C'est en dehors de ton trauma, toi. Donc, si tu n'es pas messager, ça peut être là-bas. Mais si c'est là-bas, donc tu es en dehors du trauma, tu n'as pas le droit de bouger ta place. D'accord ? Mais si c'est de ton côté, la chenami. Donc, comme on ne sait pas, tes quatre amantes, elles sont du côté de ta maison, de ton côté à toi, au niveau de l'arbre, ouais. Du côté de la maison. Et du côté de ta maison, ça veut dire en dessous de l'arbre, au niveau de, du côté de ta maison, on a dépassé les 2000 amantes, donc tu ne dois pas bouger ta place. C'est la raison pour laquelle il faut que tu sois messager. Est-ce que c'est du côté de ta maison ou est-ce que c'est du côté de toi? Dans l'arbre, les arba amotes que j'ai, c'est du côté, ma jvita, elle est du côté, sous l'arbre, du côté de ma maison ou bien du côté de moi? Voilà. Parce que du côté de ma maison, donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois messager, sinon c'est un problème. Voilà. Voilà comment Shmuel explique la baïta. Qui gagne des camions comme la voie des carreaux, très alfé, verba galmide. Dis, mok mitle beidar gissa, parce que si le héros, il est, la jvita, elle est de l'autre côté, beidar gissa de ilan, comme les bal mitroma, il se tient lui maintenant en dehors du trône. Donc c'est pourquoi, ici, yem daletamot, masi azil, veilo, lo masi azil. Verav. Rav, il a expliqué la baïta qui est pshuta. Que l'arbre se trouve dans les 2000 amants. Pas comme Shmuel. Ok. Tania Kavate dit Shmuel. Maintenant, il y a une baraita qui va dans le sens de Shmuel. Il croyait qu'on pouvait faire de Harouv en même journée. Le matin là, l'après-midi là-bas. Ouais. Mm-hmm. Alors, Tara, il s'est trompé. Il croyait que chez Marvin, il s'est trompé. Ou chez Amal, l'Avada, bien à dire à ses serviteurs, c'est ouvert volé. Un, il est parti au nord, il a mis le harouf là-bas, et l'autre, il est parti au sud, il a mis le harouf là-bas. Et had il lève la safan, et had il lève la lave la daron. Had il lève la lave la safan, et had il lève la lave la daron. Mais à l'air, le safan qui a élevé la daron, ou la daron qui a élevé la safan. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est bloqué entre deux, là. Comment on fait? On me l'a dit. Hamar Gamal. Donc, lui, par exemple, il avait besoin. Les deux harouf, par exemple, ils sont éloignés de 1000 amotes. De 1000 amotes. Il voulait aller à 3000 amotes. C'est pour ça qu'on a mis un aérof par là. Donc 1000 amotes. Il voulait aller, je ne sais pas moi. Bon, il voulait aller par là. Mm-hmm. Il voulait, donc il a mis la motte. Il voulait aller, lui là. Il, voulait aller, il a mis l'aérof à 1000 amotes. Parce qu'il voulait aller par là 2000 amotes. Il a mis un autre aérof par là. Parce qu'il a mis la motte. Parce qu'il voulait aller 2000 amotes. Par là. Mm-hmm. Alors maintenant, il se trouve bloqué. Lui, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Monsieur, voilà ton trompe de Shabbat. Il est entre ton Hérouf 1 et ton Hérouf 2. Ils sont éloignés de 2000 amotes. Mmh. Pas les plus. D'accord? D'accord. Comme on l'a dit, de même manière qu'en dessous de l'arbre, tu es marmier. Là aussi, tu vas être marmier. Peut-être c'est lui ton Hérouf, peut-être c'est lui ton Hérouf. D'accord? Ok. Et Hadi lève la safon, et Hadi lève le darom. Mais alors, la safon, qui est le volé darom, le darom, qui est le volé safon. Il est marmire. Il peut, mais il doit être marmire de chaque côté. Si maintenant lui il veut aller de ce côté-là, il doit considérer le harouf le plus loin. Donc ne pas dépasser les alpa et mama par rapport à ce harouf-là. S'il veut aller de l'autre côté, il doit considérer le harouf de l'autre côté. Donc, il peut aller que 1000 amas alors. Ça va dépendre des cas. Dans notre cas, nous. Si les deux ils sont éloignés de 2000 amotes, il devra rester entre les deux Elovines, c'est tout. Ah bon? Il ne peut pas marcher plus. Bah oui, puisque les deux Elovines, ils sont éloignés de 2000 amotes. Oui. Donc si le Elovine est bon, celui-là il est bon, il ne peut pas dépasser là. Et si celui-là il est bon, il ne peut pas dépasser celui-là. Ah oui. D'accord. Donc il est bloqué entre les deux. Très bien. Maintenant, les gars, malades, ils misent à la vétérinaire. Si maintenant,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque Aved, par exemple, il a mis le Hérouv à 2000 amot de là où il est. Un au nord, l'autre au sud. Ça veut dire que selon un, le Hérouv, là où il est, c'est l'extrémité. Et selon l'autre Hérouv, là où il est, c'est l'extrémité. Donc il ne peut faire ni un pas à droite, ni un pas à gauche. Il ne bouge pas de sa place. Oui? Tu vois ou pas? Regarde, je te montre une photo, je t'arrive à voir une photo. C'est ça. Voilà, regarde la photo 46, celle-là. Difficile à voir. Allez. Vous voulez finir à voir le tout numéro sur le beau, c'est pas grave. Alors, regarde, regarde, je me suis approché là. Oui. Ok. Voilà. Très bien. À l'intérieur, c'est-à-dire. C'est-à-dire, chaque. Lui, il est au milieu. Lui, il est au milieu de 2000 amotes de chaque côté de chaque aérou. Voilà. On ne commençait pas si lui le aérou. C'est lui le aérou, mais il ne peut pas bouger de sa place. S'il fait un pas par là, il est sorti par rapport à ce aérou. Et s'il fait un pas par là, il est sorti par rapport à ce aérou. Ok, ok. Mais très bien. Quand on est en ville, quand on est en ville. Il est en ville. Il est pas en ville, le bonhomme. Non, il est en route, là, oui, je ne sais pas ce qu'il est. Il est dans le désert. Ah. Ou même en ville, que ça change. Ouais, c'est lui en ville. Alors. Il peut aller jusqu'à 2000 amotes. Mais il a mis son aérouve, il a mis dans 2000 amotes au long de sa ville. Ouais. Après, supposons qu'il a. Alors, à ce moment-là, il peut aller jusqu'à l'aérouve là-bas. Et à partir de cet aérouve-là, il peut aller, n'est-ce pas? Il peut aller plus loin. Normalement, 2000 amotes. Il peut encore 2000 amotes. Voilà, le problème, c'est qu'il y a un aérouve de l'autre côté maintenant. Hein? Le problème, c'est qu'il y a un aérouve de l'autre côté. Ah. Il y a un aérouve aussi de l'autre côté. Il y a un aérouve du côté nord et il y a un aérouve du côté sud. Ah, voilà. Maintenant, supposons qu'il a mis l'île en ville. Le Eved, il a mis. Il y a un Eved qui l'a mis à 1000 amas. Donc, il est encore dans le air. Il a 2000 amotes. Après le aéro, il a encore 2000 amotes. Il a encore 2000 amotes. Bon, maintenant, il a mis 1000 amotes. Après 1000 amotes, il a mis l'aéro là-bas. Et de l'autre côté aussi, 1000 amotes, il a fait l'aéro. Alors, si on dit que ce aéro-là, il est bon, ce aéro-là, il est bon, donc lui, d'ici, du milieu, il va aller 1000. Il a le droit d'avoir encore 1000. Je comprends. Attends. Prends une fois un stylo et fais les chiorim. Oui, j'étais en train de faire. Est-ce que je peux donner des cours de maths hein, par Zoom à des gens comme ça? Je me suis dit, comment je vais faire ça par Zoom? Il faut que j'explique sans dessin. Alors, vas-y. Ouais, alors je reprends. C'est-à-dire, si le Aved, il y avait du Aved, il me l'a dit pas. Regarde, Amos, regarde, viens, fais le Rashi, mais à l'air, le Safon, mais le vola d'Alom. Ok. Tu vois le Rashi? Oui, lis-le. Alors, je le lis. Mais à l'air, le Safon, qui est le vola d'Alom, ou la d'Alom, qui est le vola Safon. Ok. Oui. Mais à l'air, mi béto la Safon. כשיעור תחום שמניע לו עירובו של דרום לצד צפון. אומרי, יאה, שפור פה רגעדים ממה, תאה דרום, יאה צפון. וולה. סיטייבי דלי פרלה, לקוטי צפון, איפה כשקלקול, סיטייבי פס אותי דדמי למות פרפור עירוב דו דרום. עירוב לוטח, דאקו. Et si tu veux aller du côté d'Alom, il faut que tu t'assures de ne pas avoir dépassé les 2000 amotes par rapport au trompe de Aïlouf de Safon. Voilà. Ah, ok. D'accord. C'est bon. Ok. Très bien. Maintenant, je continue la Gemara. C'est-à-dire, c'est-à-dire, s'il a mis le Aïlouf à 500 amas de milieu, et l'autre à 500 amas. Donc, deux aéros, s'il veut aller maintenant vers le
vers le côté de Tsafon. Donc, il a, depuis son Erouv, du côté de Garoum, donc il a mis la main jusqu'à, entre les deux Erouv, il a mis la main. Donc, il peut aller encore mis la main. Juste. Et de l'autre côté comme ça. Ok, ça y est, j'ai compris. Très bien. Continue l'Agmara. Demande l'Agmara, les matières, tu ouvres des raves. Peut-être j'ai une couche ici de cette braïta-là contre Rav. Pourquoi? Rashi, regarde Rashi, dernier Rashi du Hamoud. Les matières, tu ouvres des raves. Des amarechats de l'Ossiyem. Le Yazouz même comment? Il dit quand tu passes. Le Yazouz même comment? Ici l'Ossiyem, lequel est le bon? Alors tu ne dois pas bouger ta place normalement. Ouais. Et là, on a autorisé, on a autorisé de marcher. Uniquement lorsque Messé, tu ne bouges pas, mais sinon tu bouges. D'accord? D'accord. Couché contre la. Tana ou pas lire. Et pour la Gmara, la Tana ou pas lire. Fin de la Soubia. Regarde Rashi maintenant. Regarde Rashi, on finit avec ce Rashi là. Ou la Chon chez Shamat, trois lignes après la. Quatre lignes après la Tfissa. Ouais. Ou la Chon chez Shamat. Ça, ça va être la dernière couché que Rashi va poser sur le deuxième pirouche. Il y a le Lishna Harin qu'on a vu au début du DAF aujourd'hui. Ou Lishna, ou la chose de Shamat, il y a Kashian. Maïdo Hakel, les mémoires Rav Tana ou Palir. Pourquoi on était obligé de dire Rav Tana ou Palir? Migde, Ploktaï ou Derav ou Shmuel Bemaï. Parce que c'est quoi la mahlok et Rav Shmuel, selon cette version-là, le Lishna Harina? Derav Savan, Lokana, Lomakom Raglam, Lotahatailan. Rav, il pense, comme on a dit, il n'y a pas de discussion sur ça. Il n'a pas été connu ni son endroit, parce qu'il s'est transporté ailleurs, ni en dessous de l'arbre, parce que ce n'est pas Messouyam, par exemple. D'accord? Ça, la réponse. Voulis Shmuel, Kana, Omakom Raglaou, Otahata Ilan. Et selon Shmuel, on a dit, c'est quoi la Bakom Juta? Ou là où il est, ou en dessous de l'arbre. D'accord? Et de là à l'arbre, il y a 2000 amotes. Très bien. Au mot de Vina, les Rav, mais à dire Katané. Et là, donc, selon ça, ça va sortir. Quand l'objet sur Rav, à partir de notre Baïta, nous, dire Katané, oh là, ça fait. Malher, quel a les Shnehem? On a dit, dans notre Baïta, nous, qu'il a été connu, ou la Shvita du Safon, ou la Shvita du Darom. Ou Malher, quel a les Shnehem? Et donc, tu es Mahmir, tu m'as l'air par rapport aux deux, ouais. Midamia, et encore c'est une question sur Rav ça. Midamia, Ali de Rav, Acha, Ikawen, les Tarwayou. Ici, il a pensé une Jvita et là, et là. Okay. Il a pensé aux deux Jvitot. Et même lorsqu'il a envoyé les Ravadim, Gabé Ravadim, Nami, Tarwayou, Shlechota Yoravou, les deux font sa Shlechota lui. Donc il voulait faire une Jvita là. Oui. Ou Bishte Jvitot, Yevchar, Mio, Hadamina, Yukanya. Bishte Jvitot, Yevchar. C'est impossible d'avoir deux Jvitot. Donc, un des deux, il marche. Ou lui, tu ne sais pas lequel. Eh bien, voilà, tu t'arranges, comme l'a dit, tu es Mahmir, et le reste, c'est autorisé. Hadamina Yokana, au milieu, il y a dit Ahekanya. Donc, comme tu ne sais pas c'est lequel, donc c'est pourquoi tu es Mahmir, et le reste, c'est autorisé. Avalata, mais, encore chez nous, il a les deux. Avalata, mais, comme on l'a dit, en endroit, il ne voulait pas. Le Tahataïlan est sous l'arbre, comme c'est pas, il n'y a rien de précis. Ouais. Tahataïlan, ça va rave de Kiwan de l'Ossiem, là, au Kniaï. Il y a un logique là. Comment tu objectes sur rave à partir de notre Baraïta? Là-bas, son endroit, il n'en veut pas. L'endroit où il a désigné, il n'est pas précis. C'est pour ça qu'il n'a pas. Mais chez nous, il a dit je veux là et je veux là. Bon, ok, ça ne marche pas là et là. Bon, alors, ou là, ou là. Alors, c'est pourquoi et les deux cas, ils sont complètement différents. Alors, Vim Thomas, et si tu vas me dire, Aïmoutiouté, tu sais, c'est quoi la question de la Gemara? Tu vois là, c'est comme ça. Tu n'as pas compris, c'est comme ça. Amaïlokane Atam, Tahat Ha'ilan, Oarbaz Funyot, Oarbaz Romiot. La question, elle est. Pourquoi sous l'arbre
Ouais, Rav, il a dit qu'il n'y a pas de Kinyan sur l'arbre. Mais pourquoi tu ne dis pas les côtés nord de l'arbre, les côtés sud de l'arbre? Ouais, et soit Mahmir. Hein. Tu vois bien que dans notre Braïta, hein, on l'a dit ça. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Braïta? Essaye. Darom, t'as juta du Darom, du Darom, soit Mahmir l'un ou l'autre. Alors même dans l'arbre, dit la même chose. Sous l'arbre, dit la même chose. Et là, il a dit à zéro juta. Dit la Gemara, dit Rashi. Si c'est ça la Kavana de la Gemara, alors même sur Shmuel, il y a une Khushia. Selon ce Lachon, selon l'Ishna Harina. Pourquoi il y a une Khushia? Shmuel, il a dit, je t'autorise qu'entre moi et l'arbre. Mais de l'arbre vers la maison, je ne t'autorise pas. Alors ça, on dirait la question de que Rachid a sur ce pirouche-là. Vim tomara inutivte, amay lo kane atam, inutivte, amay lo kane atam, ta Thaïlande, ou alba sunniot, ou alba dromiot, vilitiv alia chumre tarba, yubidar ishtarim imanafsha. Pourquoi tu ne dis pas ça? Imken, l'Ishmoël nami aviat shuvte. Alors, même Shmuel tient un problème sur lui. Dea mefarej be'ulishana. Parce que Shmuel, dans ce lachon, la Lishna Harina, oui, de l'Ishmuel, en lo minaylan va ala kloum. Il a rien du tout de l'arbre et au-delà de l'arbre. Il n'a rien du tout. Il n'a qu'entre là où il est et Il est l'arbre. coincé. Quoi? Kloum. Vamay, bimanarcha. Mithilat ilan nesadrarla. Litev. Les Alpaïm, les sept bétaux. Pourquoi on ne lui donnerait pas, comment il faut comprendre? Mithrilat, Ilan, le début de l'arbre. Le début de l'arbre. D'accord? C'est-à-dire les branches, qui sont du côté de ses pieds à lui, les Sadrarla. La fin des branches, c'est du côté de sa maison. On devrait lui donner du début de l'arbre, Alpaïm Mama, les sept bétaux. Parce qu'il lui a dit, je veux être là-bas, mais je lui ai dit, maintenant tu sais pas c'est quel endroit, ok, toi, Mahmir, là-bas. Prends du côté, voilà, prends la juta ici, la pire, et donne jusqu'à là-bas. Pourquoi tu ne fais pas ça pour Shmuel? Comme on a dit chez nous aussi, ici, puisque la Gemara n'a pas été marcha comme ça. Oui, c'est que c'est Donc. pas ça, en fait, la Havana de Shmuel. Pas comme Donc les c'est Shna Harina. Rena, OK. Baruch Adonai le'olam. Amen, Amen. 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 Hazak Baruch. Tu as des nouvelles de Rabbi Non, j'ai pas de nouvelles. Bon, j'ai appris ce que tu m'as dit hier, c'est tout, pas plus. Hein. Qu'est-ce que tu as dit hier? Sais pas comment il faut, comment il fait, comment il fait. Il a les dialyses. Comment il va maintenant parce qu'il ne peut pas sortir, c'est pas évident. Je sais pas. Aujourd'hui, par exemple, il a fait les dialyses. Est-ce qu'ils vont venir jusqu'à la maison? Moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est ça. Ils m'ont dit que Amiel, ouais, il a dit à Netanel, il lui a dit, je suis en avance par rapport à vous. Rabbi Haïm, il m'a expliqué le Rashi. Amiel, mon beau-frère. Hamiel. Amiel, Hamiel. Amiel. Il est en train d'étudier avec eux. Je sais pas, non, je crois que il a Rabbi Haïm, bon, je sais pas, il a dû le voir, ou il est parti le Ah, voir. ah, Et ah. D'accord. il lui a dit, j'ai une avance par rapport à vous, il m'a expliqué le Rashi. Rabbi Haïm va bien quand même. Ça fait 2 semaines qu'on ne l'a pas vu alors. Baruch Hashem. J'ai pas trop de nouvelles, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, Amos, tu me donnes le lien quand tu donnes le cours de maths. Oui, d'accord, ok, mais attention. Allez, kol tov, laïla tov. Allez, Laïla bye tov, laïla tov.